Bonsoir, je suis Bob Lennon. On est là, on est fort, on est puissant et on est prêt à se plonger dans les sombres profondeurs d'Oblivion. Bref. Eh oui, ça va nous emmener. Exactement. Attends, dans la caverne du rêve. Alors je sais plus pourquoi. C'est un moment. Attends, si on se souvient, ce glandu là, le maître des rites, y a chié dessus. Tu sais qu'il avait trahi. Il avait trahi à cause du contrôle mental du Slod. Il a vraiment trahi, il a été manipulé. Dans les faits, il a... non, je déconne, pardon, excuse-moi. Du coup, il a effectivement été manipulé par le Slod, de faire croire qu'il avait gagné alors qu'en fait il avait perdu. Et donc il a donné le caillou mystique qui était un fragment, je crois un fragment de cristal d'une tour. Bref, un truc qui était vachement important, une clé ou un truc ultra balèze. Je sais plus ce que c'était, mais bref. Du coup, il a réussi à se libérer du contrôle et du joug mental, et il essaie de se souvenir désespérément de où est-ce qu'il a pu planquer le caillou. Tu sais, sous le contrôle mental. Voilà. Oui. Et en fait, il a eu une vision qui dit que les réponses se trouveraient peut-être dans le royaume de Mephala, qui s'appelle... Putain, c'est un truc rapport avec les toiles d'araignée, c'est les fils tissés ou je sais plus quoi... Tu sais, tous les royaumes de Dédra ont un nom à la con, et du coup, je ne me souviens plus. Mais dans tous les cas. Marqué, alors, attends, dans le texte, pour m'envoyer avec Valsirène dans le domaine de Mephala, les chevaux spirales. Voilà, parfait. Voilà, c'est très bien. Les chevaux spirales. Bon, bref. Et du coup, les chevaux spirales, Tistoile, ouais, exactement. Donc, on va y aller, et donc, on va y aller dans le domaine de Mephala. Et la dernière fois, j'étais extatique à l'idée, parce qu'en fait, je disais, ils peuvent ouvrir un portail qui mène à tous les, à tous les plans d'Oblivion. Et moi j'étais outré parce que je voulais visiter tous les plans d'Oblivion. Oui, les limitations du jeu vidéo. Ah putain, les limitations de Bethesda, c'est dommage. Mais du coup voilà, donc on peut pénétrer dès le début sans fioriture mon cher Krayn. Par contre, est-ce que tu peux ranger ce Pokémon? Ça fait un bruit qui est absolument insupportable. Lequel? Celui qui vole? Oui. Je vais t'en trouver un autre, attends. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Monture, familier pacifique. Qu'est-ce qu'on va prendre? Que je prends mon petit cochon. Je vais prendre mon petit cochon. Il est là. Est-ce qu'on est obligé d'avoir... Est-ce qu'on est obligé d'avoir une mascotte? C'est terrible. C'est pas une mascotte. C'est terrible. C'est terrible. Parce que t'en as pas. T'as pas un petit chat toi, normalement? J'en ai plein. Je les ai rangés par des sens sonores. C'est pas grave. Est-ce que tu veux y aller du coup? Vas-y, je vais te ranger mon petit cochon. Voilà, il est rangé. C'est gentil. Content. On le sortira au milieu d'épisode. Ça va, tout va bien, tout va bien. T'es prêt à rentrer? Let's go. Yes. Ça ferait une super idée de DLC, n'empêche, j'imagine, à chaque fois ils sortent un nouveau plan auquel on peut accéder. Oui, c'est vrai, mais techniquement je serais hypé, et c'est vrai. Quoique, beaucoup de plans d'Oblivion, je vais pas dire se ressemblent, mais globalement on en arrive toujours aux mêmes architectures ou aux mêmes réminiscences par exemple. Mais bon, et malheureusement le problème des plans d'Oblivion c'est que bien qu'ils soient intéressants, ils font malheureusement partie d'un aspect des dieux du chaos, c'est-à-dire des Dédra, et donc sont assez, comment dire, uniformes, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire tu seras téléporté dans un environnement et c'est tout. Vous êtes là? Je crois que nous avons été séparés. Tout va bien. Tout va bien, on a été séparés mais Comment ça? Avec la sirène. Attends. Je t'entends mal, il faut absolument que j'augmente ton son. Oh là là, une caisse, incroyable, un petit cadeau pour ton travail de qualité. Les caisses, c'est mieux que la bouffe, bon live. Merci Spoking 666, j'accepte. En parlant de bouffe, ouais, je vais prendre de la bouffe. J'accepte gracieusement. Merci. Alors, voilà, comme ça au moins c'est honnête. Ça c'est de la vigueur, voilà. Vigueur energy. Et bah écoute, est-ce que tu veux qu'on en profite pour ouvrir une caisse? Tout à fait. Voilà. Vas-y, ça va être bien. Formidable. Je sais même plus de quoi on parlait avant cette interruption, mais c'est pas grave. Hein. Ici, sur YouTube, on est beau. Tu préfères une caisse psychique ou une caisse Ouroboros? C'est mieux les caisses psychiques. Hein. Allez, une caisse psychique, on y croit. Allez, c'est parti. Allez chaton. Allez chaton. C'est parti. Allez chaton. Oh j'ai une violette. Oh j'ai de la merde. Alors, oh non, j'ai rien dit. Oh là là! Oh là là! À chaque fois, c'est toi qui as des trucs, là, faut arrêter au bout d'un moment. Hein. Oh là 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 là! Alors attends, laisse-moi fermer mes volets avant que les flics débarquent chez moi. Oh là là! Oh là 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 là! Oh, ça, c'est formidable! Ça, j'ai tout gagné! Mon cher Krayn! Au revoir! J'ai. Regarde mes yeux! Attends, je peux pas. Attends, mais je suis toujours sur ma caisse, moi, j'ai pas ouvert. Ah bah, attends, on y va. Vas-y, t'as ouvert ta caisse? Moi, j'ai ouvert qu'une caisse, hein. Moi aussi. Mais j'avais pas encore ouvert le violet. Mais vas-y, ouvre le violet. J'ai eu un parchemin d'expérience. Oh, alors que moi, mon cher Krayn, Utskushi, on est là, Utskushi. C'est de plus en plus Jojo ton perso. Dis-moi, est-ce que je suis beau? Oh, tu es magnifique. On dirait que je vais affronter Kenshiro, quoi. Non mais je suis merveilleuse. Je suis absolument merveilleuse. Et tu sais quoi? Moi qui m'étais enlevé tous les trucs cosmétiques de la semaine dernière, où j'étais en robe avec un chapeau, du maquillage et tout, mais le jeu m'y pousse en fait. Ah oui, j'avoue. J'avoue. Le jeu m'y pousse, quoi. Par contre, c'est pas par là, hein, si jamais... Ça, c'est d'où on vient. Est-ce que t'as mangé quelque chose? Ah bah là, j'ai mangé du sublisme si tu veux, mais du coup voilà, sinon tu marques un point, attends, bouge pas. J'ai du truc à boire. C'est pas cumulable avec... Oh, bien joué. C'est pas cumulable avec ce que tu bouffes, ce que tu bois, je crois, donc... Je sais pas, moi j'ai mangé un truc d'une heure là. Ouais, c'est bien bon, c'est bien bon. Oh là là. Valsirène, t'es où? Ah, elle est en haut, regarde. Ah, nice, oui, on la voit. Oh, j'aime bien quand on voit des interactions comme ça au loin. Vous ne pouvez rien, je suis beau. Oh. Pardon, excusez-moi. Ah, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Ce maquillage, mais il est... J'ai tellement tout gagné. Des arrêts. Voilà. Même pas j'utilise mes aptitudes, je les tape juste vanille hein, en fait. Voilà. Quel. Très bien. Donc paraît-il que c'est par là. Ok, quand même le terrain de Mephala, là. À moi. Vas-y. Ouais, merci. Je disais donc, le territoire de Mephala quand même, tu vois, il est bien, mais... Ah, voilà, c'est ça que je voulais voir. Bonjour madame. Oh. Essayez d'utiliser la gemme d'Aube-Étoile. Elle pourrait révéler un passage que nous ne voyons pas. Très bien. Ah, mais moi je le vois le passage, il y a une petite porte blanche pour me dire c'est par là. Utilise le caillou magique. Vas-y. Princesse Krayn et les joyaux magiques. Ok, super. Ouais, les dames d'abord, vas-y. Allez, allons dans un tourbillon. Je te regarde, ouais. Ça a l'air encourageant. Ça a l'air une bonne idée. Ah, est-ce que mon maquillage n'a pas coulé à la flotte? Non. Putain, mais par contre, je suis fabuleuse. Et waterproof en plus. Mais waterproof, mon gars. Le maquillage d'Edric, quoi. Mais même Mephala, elle est jalouse. J'ai l'impression qu'on me suit. Oh non. Elle a l'impression de se faire suivre. Il existe 19 psychiatres dans cette région. C'est une blague nulle. Te moque pas de mes blagues. Oh, lui, il était accroché... Utile. On repart à bon zone. Voilà. Allez, mourrez. Voilà. Alors à ceux qui se posent des questions et qui jouent vraiment MMO et qui se demandent pourquoi j'ai des attaques de merde comme ça, c'est pour les faire monter parce que les autres sont déjà au level max en fait. Donc c'est juste une question de farm. Je crois que c'est pas bête, je vais pas monter le reste. Ouais, tu vois, parce que tu peux utiliser les mêmes trucs jusqu'au level max, mais là c'est cool parce que ça me permet d'avoir d'autres... Ça me permet de varier, puis c'est pas le jeu qui non plus... Voilà. On nettoie, ça se passe bien. Ça se passe plutôt bien. Attends, on est où? C'est-à-dire... Ah oui, j'ai pas regardé la map. Okay, ah non, je croyais qu'il fallait utiliser une deuxième. Est-ce que je peux passer quelques secondes à regarder ce décor? Bien évidemment. Ouais. Et donc le monde d'Oblivion de Mephala, c'est une espèce de planète avec une architecture complètement folle, des espèces de semi-cathédrale avec des cristaux rouges et des champignons hallucinobiologènes. Mais du coup, c'est elle. Enfin, qui c'est qui décide qu'il y a des bâtiments, par exemple? Ah, elle, 1000 milliards de pourcents. Alors, en fait, on est dans son plan d'Oblivion. Non, mais on est dans son plan d'Oblivion. Ici, c'est Dieu le Père. D'accord. La raison pour laquelle il y aurait des bâtiments détruits serait 1 parce que le design lui plaît, 2 parce que c'est un reflet de sa santé mentale et ou de sa prédisposition mentale, 3 parce que ils sont là depuis longtemps, ils ont été détruits, ils n'ont jamais été entretenus, elle a jamais pensé à essayer de se souvenir. Un peu comme toi quand tu perds la mémoire sur un objet ou que tu ne te souviens pas de ta table de 9, simplement parce que techniquement tu t'en souviens encore, ça fait juste très longtemps que tu t'en es jamais remémoré. C'est une théorie, ouais, mais ça paraît logique vu que l'imagination a une influence directe sur les environnements oblivionesques d'un prince Dédra qui est chez lui, quoi. C'est... Comment s'appelait le Dédra, mais qui est plutôt cool là, enfin qui est plutôt cool, qui se faisait agresser par les autres Dédra l'autre fois là qu'on a, à qui on a parlé. Putain, celle qui est Deus Vult, celle qui veut exterminer toute forme de mort humanise. Oui, c'est ça. Putain, Meridia, merci, voilà. Oh, là. Oh, du coup, ça ressemble à quoi le plan d'Oblivion de Meridia, si on le sait? Du blanc. Tout blanc? Du blanc. C'est de la lumière, et encore de la lumière, et du blanc. Mais du blanc à en devenir fou, en fait, si tu veux. D'accord. Paraît-il. Moi, perso, je pense qu'il doit y avoir une architecture ou un plan comme ça, mais à mon avis, ça doit être plutôt ordonné. Okay. Voilà. Ah, quelqu'un qui dit du rose. Pourquoi du rose? Mais si tu veux, Meridia, c'est Dumbledore, tu vois. Le concept même de l'existence de la magie noire, pour elle, c'est abject. Ah, on me dit que c'est du rose, du vert, du bleu et autres. J'y suis allé. D'accord. Quand est-ce que tu y es allé? Quelle drogue tu as pris pour y aller? Voilà, c'est ça la vraie question. Et il est très très moche, lui. Hein. Oui. Var grison des draps. Bien joué. Bon, ça marche bien. Le Utilisez la gemme d'Aube-Étoile, je t'en prie. Vas-y, c'est à toi. Bah non, tu l'as déjà fait, je l'ai déjà fait une fois. Bien, ok. Encore un tour. Bah, maintenant, okay, c'est à toi en premier. Ok, allons-y. Hop là. Ah, oh, c'est sympa l'animation, regardez. Un petit plongeon. Ouais. Donc tu vois, effectivement, en DLC, ça peut être intéressant, des plans d'Oblivion, tout ça ou autre, mais finalement, le problème, c'est que le décor, voilà, ne varie que très peu. Mais et dans les plans d'Oblivion, il n'y a pas... Bah, par exemple, les Dédra, ils peuvent prendre... Ils ont obligatoirement une forme physique, on va dire, pour le plan ou pas? Alors, par Dédra, qu'est-ce que t'entends? T'entends les dieux Dédra ou oui, les Dédra mineurs? Les Dédra mineurs, oui, Non, je parle de... Bah par exemple Mephala, ici, qu'est-ce qu'elle a comme... Est-ce qu'elle a une apparence ou pas? Basiquement, ce qu'elle veut. D'accord. C'est simple, le principe en fait est un peu le même principe que dans, Donjons et Dragons. Tu ne peux tuer un élémentaire que si tu le tues sur son plan à lui. Le problème c'est que pour le tuer sur son plan à lui, bonne chance mon salaud, parce qu'il est chez lui, tu vois. Du coup cette première question était en vue d'une deuxième question, c'est est-ce qu'il n'y en a pas des plans où ils se construisent toute une ville ou une forteresse, où ils ont un coin, ou même ils prennent une apparence physique et ils vivent, des trucs comme ça? Difficile, parce que les seules choses qui vivent réellement dans les plans d'Oblivion sont les créations, ou du moins les esclaves, les Dédra esclaves, les divinités mineures au mieux, de tout ce qui... du Dédra qui dirige l'endroit finalement. Et il n'y a jamais eu la créativité ou la... Non, moi je parle du Dédra justement. Il n'a pas envie de se faire un petit coin tranquillou, il n'a pas... Bah, il n'a pas les mêmes besoins que nous. Je veux dire, à quoi lui sert... Ouais. Quand tu es l'air, les murs et tout ce qui existe, quand tu es la propre paroi de ton cerveau qui est aussi ta planète, est-ce que tu as besoin d'un lit, vraiment, tu vois? Ouais, mais est-ce que tu as besoin que tout se ressemble? Est-ce que tu n'as pas besoin de créer des endroits un peu différents aussi? C'est ça. Et ça serait bien ça. Mais le truc en fait c'est que autant dans Donjons et Dragons tu peux peut-être tuer un élémentaire sur son plan, mais dans tes eaux ou dans le monde des Elder Scrolls, c'est pas dit que tu puisses réellement tuer un Dédra non plus. Je pense que même si tu fais péter leur planète, leur plan d'Oblivion qui est lié à leur existence, parce qu'ils y ont mis leur puissance dedans, je pense même pas ça les bute. Hein. Donc techniquement voilà, le mieux que tu puisses faire c'est les scellés les scellés de Mundus, c'est-à-dire les scellés les scellés de la planète, les scellés de Nirn en fait. Comme le faisaient Akatosh et les héritiers de l'empereur avec Méroniès Dagon. Alors, il y a, on me dit deux choses. On me dit que dans Sheogorath, il y a une île avec des gens fous, mais il y a vraiment une île avec de la vie, je sais pas quoi. Et c'est une ville et un palais. Il y a une ville et un palais chez Sheogorath apparemment. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant que tu le dis. Et l'autre chose, apparemment, Whitewolf me dit que les subs... C'est que chez Sheogorath, enfin chez Sheogorath, pardon, c'est dur à dire, les gens qui y vivent sont des gens qui se sont fait happer dans ce plan. C'est pas des gens qui ont été créés par Sheogorath, il me semble. J'ai un doute. Hein. Mais bon, après, c'est de toute façon, on est chez Sheogorath, donc de base, toute règle et loi qui s'applique à tous les autres plans, tu les appliques pas chez Sheogorath. Voilà, c'est dire voilà quoi. C'est les Shivering Isles. Oui, les îles vacillantes, je sais plus comment on appelle ça. Hop. Et Whitewolf, je sais pas du tout si ça bug les abonnements, on dit que ça bug. Donc, je ne pourrais point te répondre. Impeccable. Donc on massacre du mob, en même temps on cherche toujours Valsirène. Hein. Oui voilà, c'est sympa, une petite balade. Voilà. Ah tiens, il y a quelqu'un dans le cocon. Alors quelqu'un me dit les îles Trémancides, mais ça fait aucun sens. Ah bah tiens. Les étoiles soient louées, je respire à nouveau. Merci beaucoup Whitewolf, c'est très gentil, merci beaucoup. Eh ben écoute, on lui parle quand tu veux. 3, 2, 1, clic. Ah, je n'arrivais plus à respirer. Vous m'avez retrouvé juste à temps, comme d'habitude. La bête qui m'a capturé, je n'avais jamais rien vu de tel. Moi je trouve que l'espèce de gros homme obèse araignée était plus flippant que juste le gars... tu sais, le gars qui ressemble à un Dremora qui nous a attaqué. Ouais. Enfin bon, je dis ça. Vrai. Voilà. Vas-y. Enfin, tout va bien. Un léger vertige, mais ça ira. Maintenant que nous sommes réunis, nous pouvons nous concentrer sur le sauvetage du Chevalier Doré. Ça va, t'es sûr? Tu veux pas un smecta? Si cette bête montre encore ses mandibules, je serai prête. Des mandibules? Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être des tentacles... Enfin bon, quel genre de bête vous a attaqué? Une chose avec un corps d'araignée géante et... Eh bien, je ne sais pas vraiment la décrire. Mais c'était une créature de cauchemar. Exactement ce qu'on imagine dans le domaine d'un prince Dédra. Peu importe. Allons secourir le Chevalier Doré. Oui, allons secourir le héros éternel. Où est-il? Enfin, par où? Par où est-ce? Là où il y a le point sur la map, allons-y. Okay. Elle te suit. Elle nous suit, oui. Salut à Talentless. Utilisez la gemme d'Aube-Étoile, je t'en prie. On y va. Utilise la pierre de Jojo. Là, j'ai pas l'option. Ici. Le cristal de Londres. Voilà, très bien. Allez, c'est parti. Banzai. Impeccable. Okay. Un scorpion. Bon, ça a l'air d'être un chemin. Et on a plus Valsirène avec nous? Ah si, c'est bon, elle est venue. Ah. Elle s'est TP, elle n'a pas nagé. Voilà, elle n'a pas nagé. Joli. Tu lui as mis une patate, t'as brillé en rouge. Oui, il y a du monde qui nous rejoint. Ah oui, carrément. Une grande bulle autour de nous et tout. Voilà. C'est bon. C'est bien, tu peux enchaîner avec la charge. Ouais, j'avoue. Et comme je les aggro avec le skill, tu risques pas de m'en prendre une. Hop. Alors attends, elle a dit la lumière au loin, ça doit être le chevalier. Ah, tout en haut là, je pense. Où ça, où ça? Le truc à gauche, je dirais. En jaune. Il y a une lumière dorée à gauche en haut, tu la vois? Ah d'accord, ouais, ok, ouais. Oui, en même temps, je l'ai vu déjà en bas, je me disais tiens, c'est pas la même couleur que le reste, c'est peut-être ça, je sais pas. Ouais, et c'est une lumière qui ne pulse pas, pas comme les torches qu'il y a ailleurs. Ouais, ça doit être ça. Bois, 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 bois. Oula, il est gros. Eh bon. Ah, ah. C'est vrai que le petit arrêt temporel, j'avoue, c'est quand même sexy. Hein. Ouais, c'est très sympa. Ça c'est logiquement un truc qu'on peut choper. Hein. Ah, elle est assez pétée, Valsirène. Je sais pas comment elle a fait pour perdre, mais oh là là, par contre, c'est beau. Là, on peut voir les décors en dessous et tout. La cohérence dans la puissance des NPC et des combats n'a jamais été. Que veux-tu hein, de rigueur. Pas, je le vis bien. On y va. Une seconde. Allez debout, c'est bon. Je me mets dans son dos. Ça va. Bon, ça s'est bien passé. On l'a fessé pour ainsi dire, ça s'est plutôt bien ouais. Ça s'est plutôt bien calé à la pardon. Voilà, très bien. Alors, attention à ne pas tomber, à ne pas choir. Je crois qu'on peut vraiment tomber, oui, je pense. Ce serait à la fois... on va pas essayer. Ouais, voilà. Je me souviens avoir essayé lors d'autres lives. C'est ça, ce serait à la fois hasardeux et risqué. Ouais. Que le chevalier doré de Meridia sans protection. Attends, eh ben écoute, on va... Tu nettoies tout, hein. Ouais, je vais... Ah, tu veux tout aggro? Non, c'est pas ça. Où est-ce que j'ai mis le switch de... Ah, je sais pas où j'ai mis le switch. Ah, c'est ça. Hop. Un autre qui arrive. Ça fait du monde, là. Et un grand merci à Loïc pour le recette de 21 mois des bisous. Ça, ça s'est bien passé. Eh oui. Et boum. Et voilà. Ah voilà. Petit ménage, bien. On les a bien rassemblés. Nous devons continuer et trouver le chevalier doré. C'est parfait. Il faut sortir d'ici au plus vite. Okay, je me souviens par contre de ces skills là. Attends, ça, il y a la brume. Voilà. Et les deux autres, je sais plus ce qu'il faut. Voilà. Voyons voir, ça, ça s'ouvre pas ces espèces de coches, non. Malheureusement, il n'y a rien à looter ici. Hein. Non. Je dois reconnaître, c'est un peu la misère quand même. Ah, c'est pas. À ce niveau-là, c'est un peu différent d'un. Moi, ce que j'aime bien, c'est que. Certes, on est comment s'appelle. On est dans un plan d'Oblivion et il y a des ogrimes, mais les ogrimes sont des. Où mes toiles vous empliront la bouche. Oh. Berk, berk, berk. Donc je disais. Il y a des ogrimes, et donc les ogrimes sont des dédras. Ce sont des dédras mineurs, je l'accorde, mais on les retrouve dans quasiment tous les plans d'Oblivion. Ce que je trouve sympa, c'est que ce sont des ogrimes donc, qui bossent pour Mephala, et du coup, ils ont leur petite armure qui va bien avec. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Voilà, c'est pour ça. C'est le petit détail qui rend classe. Voilà, le petit détail, le petit blason Gryffondor qui va bien. Merci Loïs Gab, merci White Wolf et bienvenue Gigit Slayer, merci beaucoup Evim. Eh ben super. Alors du coup, alors attends, Ogrim et Ogrim, mais c'est surtout la personne au centre qui me pose un problème. Écoute, je vois pas le nom au centre. C'est pas grave, laisse-moi juste aggro et je vais... Zikalzoun. Ah, histoire qu'il s'occupe de la bonne personne, c'est bon. Je veux qu'on sorte le deuxième Ogrim ou le NPC. Attends, elle invoque des trucs et tout. Oh là. Ça s'est bien passé. C'est tombé tout seul. Sauce-moi ce gros sac à merde. Voilà, c'est bon. Attends. On peut peut-être négocier avant de le... par la Valsirène. Avant de le libérer. Le chevalier doré. Tu veux lui parler? Nous devons le faire descendre de là. Voilà. C'est un petit peu comme la scie, tu sais, elle te dit des évidences. C'est le chevalier doré, le chevalier doré. Qu'est-ce qui se passe? Valsirène, il est où le chevalier doré? Il est où le chevalier doré? Mais il est pas très doré. Hein. Ouais, mais il a poil sans doute. Vas-y, donne-nous du plaisir. J'ai mis mon maquillage, je suis prête. Allons-y. Mais c'était à toi qui la gemme. Oh. Vous en avez mis du temps. J'espérais être secouru il y a des heures. Votre gratitude, oh, bon, tu vas pas... chevalier. Oh, je peux être très reconnaissant. Nous devrions peut-être le laisser là. Je suis sûr que le maître des rites comprendrait. Oh, ça va, c'est pas parce qu'il te fait du gringe alors que effectivement... Oui, il a peu fait une remarque de gros lourd. Quand même, hein, il a fait une remarque, il a fait une remarque de gros lourd, mais est-ce que c'est un crime qui vaut qu'on le mette en prison? Et puis, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Regarde Valsirène, elle est fraîche. Bon, après, c'est sûr que son mec nous a révélé des infos après qu'il soit prisonnier sur l'île, sur notre île d'Arteum, alors qu'on n'a pas vraiment fait un prisonnier de lui, alors qu'il a suivi des dédras et que son enfant était mort et que c'est ça qui a rendu fou son mari. Oui, je peux comprendre qu'il y a un passif, mais est-ce que le chevalier doré, il a quelque chose à en savoir? Non, lui, mais juste des capotes avec du strass, c'est tout. Avec du gloss. Merci Perilus, des bisous et bim, merci. C'est le bling, les espèces de petites paillettes là, un peu de partout. En tout cas, son armure déchire un peu tout. Par contre, il s'appelle Gautier et ça, c'est juste inacceptable. Vas-y, parlons. Darien Gautier. Mais donc, ça veut dire que Darien... Attends. D'habitude, c'est le, dans le jeu, c'est le prénom qui est en premier, non? C'est pas... Ouais. En tout cas, donc, il s'appelle Darien, c'est son prénom, et Gautier, c'est son nom de famille. Oui, tout à fait. Mais dans tous les cas, c'est un chevalier d'or qui s'est échappé de Saint-Seiya. Hein. C'est sûr que là, il n'y a pas. Peu, oui. Enfin bon, faut le casque. Parlons-lui. Il est où son casque? Il l'a caché, il l'a caché. Parce que regarde, il a les boucles. Par contre, je suis déçu. C'est le chevalier d'or, mais il n'a pas les cheveux blonds. Et ça, ça me rend fou. La cohérence. Pourquoi il devrait avoir les cheveux blonds? Parce qu'il faut qu'il ait des cheveux d'or. Sinon, c'est pas cohérent. Pourquoi? Mais sinon, c'est pas le chevalier d'or. Mais c'est son armure. Enfin, les chevaliers d'or, ils ont pas tous... Dans les chevaliers zodiaques, ils ont pas les cheveux blonds. Monotisme exige qu'il ait la peau jaune, les cheveux jaunes, les yeux jaunes et du rouge à lèvres jaune. Voilà. Et... Très bien. Parlons-lui. 3, 2, 1, clic. Ah, comme c'est embarrassant. Voilà le champion de Meridia, couvert de toiles d'araignée et à la merci de créatures arachnides étranges. Merci de m'avoir secouru. J'aurais bien fini par me libérer. Il me fallait juste un petit peu de temps. J'en prie. Vous êtes le chevalier doré, celui qui essaie de nous contacter? Coupable, votre honneur. Meridia m'a envoyé pour vous offrir mon aide, mais les autres princes ont interféré. Et puis, j'ai été jeté dans cette fosse d'araignée. Allez, on parlera de ça plus tard. En attendant, nous devons sortir d'ici. Vous avez raison. Partons d'ici. Il n'y a qu'un seul problème. Sortir d'un domaine d'Édric, ce n'est pas aussi simple que de traverser une porte. Et croyez-moi, j'ai essayé. Et comment vous avez fait pour venir ici, au fait? Mephala a dit qu'elle me plaçait spécifiquement là. J'ai récupéré la gemme d'Aube-Étoile quand vous l'avez faite tomber. Elle m'a conduit jusqu'à vous. La gemme Aube-Étoile? Je comprends. Entre cela et les sages psychiques, je comprends comment vous êtes arrivé. Et grâce à la gemme, je peux réparer au Béclat. Cool. Mais histoire de vous prévenir, je me sens très mal pour le moment. Hors de question que je me batte. Restez près de moi, je vais vous sortir de là. Forcément, il porte une armure en or. Ça pèse 30 tonnes, il est complètement con. Bon. Allons-y. Du coup, dans l'absolu, nous avons ce glandu avec nous et il est très blessé. En même temps, c'est de sa faute de porter une armure qui fait littéralement 170 kilos. Il a pas une arme de PGM, lui? Bah, au Béclat, mais... Et il peut pas nous la prêter, l'autre? Bah, le problème, c'est que au Béclat, là, est à peu près aussi utile qu'un sabre laser de Star Wars sans son cristal. Ah. Donc, à la rigueur, si tu tapes très fort un ennemi à la tête avec le manche, il peut se passer des choses, mais je pense pas que... Voilà. D'accord, voilà. Sans la gemme, elle sert plus à rien. C'est ça, t'atteindrais le même niveau de dégâts avec un bâton, en fait. Voilà. Un gros bâton, hein, mais bâton. On lui parle, c'est quand tu veux. 3, 2, 1, go. Je peux ouvrir un portail vers la caverne du rêve, mais le rituel va prendre du temps et risque d'attirer les dédras de Mephala. Vous devez le repousser le temps que je trouve le chemin du retour. Alors je trouve qu'elle dit ça avec un air beaucoup trop enjoué, hein. Mais ça va prendre du temps, ça va bien se passer, ça va attirer des mobs, voilà. Et je fais des jolies lumières, c'est bon. Elle a toujours rêvé de faire ça, et à l'académie à chaque fois on veut pas. C'est ça, c'est ça, bon, ça veut rien dire, enfin bon. Nous allons occuper les dédras pendant que vous accomplissez le rituel. Je ne pourrai pas vous aider pendant que j'incanterai. Et le chevalier doré n'a pas l'air en état de se battre. Je crains que vous ne soyez seul, mon ami. Oh, t'inquiète. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer, j'ai foi. Allez, on zone. Entre ce lieu et la caverne du rêve. Ça fait quoi utiliser les éclats? Ah mais il y en avait là-bas. Je suis en train de regarder si elle est venue en face. Où ça, où ça? Il n'y en a plus. Putain, par contre là-bas le chevalier est en train de squat. Il est en train de squat comme un slave. Avec des chaussures Adidas. Attends. Enfin des chaussures Adidas mais en or. Hein. Bon, ça existe les chaussures Adidas avec les 3 barres dorées. Ça marche. Ah. Bam. Hop. Il est où? C'est les Skulutas de Zelda, c'est chaud. c'est pas une sculuta ça. Ça c'est moche ça, voilà. Bon, tout va bien. Frappons au bâton, c'est déjà fini. Ah. Par les étoiles. L'araignée. C'est Spider-Man. Oh la vache, bonjour madame. Je suis désolé qu'on ait dû se rencontrer dans de telles circonstances, cependant je tiens à dire que, étant un fétichiste de absolument tout et de rien, je vous trouve positivement sublime. C'est votre fille, enchantée. Madame, c'est pas la peine de prendre la mouche, saurais-je vous intéresser dans un verre de vin? Oh, mais elle est morte. Bon, bah c'est pas grave. Bon, je tiens mieux en vie qu'avant. Oui, c'est sûr qu'après avoir mangé, bu et sans désastre. Et il prend le portail en premier, oh là là. Sauf qui me peut. Hein. Salut Gantz, salut Gusti. Bon. Et bah globalement ça s'est plutôt bien passé. Oui, c'était cool, c'était sympa. Ça s'est plutôt bien passé, je suis content, je suis content. J'aurais bien voulu voir les autres plans, mais du coup voilà. Et je continue à... Oui, je t'en prie. Oui, vas-y, vas-y, non, moi c'est un autre sujet, donc vas-y. Vas-y, vas-y, continue. Tu as fait, parce que là j'ai quand même avancé un petit peu, t'en es où dans les quêtes solo? Tu sais, les quêtes toutes solo, tu dois aller dans le port et parler au prophète. Moi j'ai parlé au prophète déjà, hein. J'ai découvert l'identité du prophète et j'ai réussi à monter une équipe. Après, je me souviens plus du tout de ce qu'il faut faire, je peux te dire, si j'ai la quête qui me dit. Perchoir de Kenarty... non, quête principale, message à travers Gabriel. Vanus Galerion de la Guilde des Mages a un plan pour arrêter l'incursion de Molag Bal dans Tamriel via Avogas. Il faudra convaincre les trois alliances d'unir leurs forces à celle de la Guilde des Mages. Ah oui, t'en es sur la fin, je crois, je suis pas sûr, mais t'as bien avancé. Il faut que je les convainque, ces glandus, d'arrêter de faire la guerre 5 minutes et de tous vouloir se fier à mon mascara et mon eyeliner. Oh là là, attends. Valsirène, emmenez le chevalier à nos guérisseurs. Hop, qu'est-ce que tu fais? Nous nous occuperons. Tu veux ouvrir une petite caisse? En attendant, je dois discuter avec notre ami. D'accord, ils discutent entre eux, le Chevalier d'Or et Valsirène. Et Valsirène, bah, là j'ai avancé et là il y a Valsirène qui est en train d'emmener le Chevalier d'Or. Mais non, moi il y a personne. Ah bah. Mais c'est quoi cette arnaque? Bah t'es guaqué, qu'est-ce que tu dis? Cool. Tant pis. Du coup, et d'ailleurs il a une quête annexe à donner les maîtres Roderick. Ah non, non, ça doit être la quête principale, c'est juste que comme j'ai changé de. Oui, t'as changé de. Merde, alors attends, on est. C'est quelle? C'est la caverne du rêve. Caverne du rêve, ok. Ouais, c'est bon, écoute. 3, 2, 1, clic. Valsirène et vous êtes entrés dans le domaine de Mephala pour sauver le chevalier doré de Meridia. Je n'aurais pas pu vous en demander davantage, mon ami. Et j'imagine que Darien compte réparer au Béclat. Bon, ça s'est bien passé, hein. On y allait avec des gros pièges à araignées, un petit peu de spray, on a incendié tout ce qu'on a vu. Ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Mais Darien a dit qu'il pourrait réparer au Béclat. C'est ce que j'espérais. Cependant, le chevalier doré devra d'abord recouvrer une partie de ses forces. Qui sait quelle torture Mephala et ses créatures lui ont infligée. Je ne souhaiterais pas ce sort à mon pire ennemi. Moi perso, chevalier doré Valsirène, Krayn, je chippe. Hein. Je chippe parce que dis-toi que le chevalier doré, c'est un mec qui se fait kidnapper dans un plan et qui accepte de devenir l'esclave de Meridia jusqu'à la fin de ses jours, afin de mener un combat continuel contre des Dédra en se faisant téléporter à la côte Quantum dès qu'il a fini sa baston. Aucun moment de repos. Aucun moment de sociabilité, aucun moment de pause, aucun sommeil, rien. Le mec, but du monstre, H24. Là, ça doit être la première fois de sa vie qu'il a dû poser une épée, manger un bout de fromage et aller se coucher dans un plumard. En fait, il était content. C'est pour ça. Donc, limite, il s'est laissé capturer pour dire « j'ai besoin de vacances ». C'est ça, quand moi je le vois se faire du gringe à Valsirène, perso, je lève même pas les yeux en l'air. Je lui souhaite tout le bonheur du monde, si tu veux. Parce que... ouais, mais bon, il va se refaire téléporter. Ah bah écoute, il va... Dans le premier hangar, il y a presque un bisou et pouf, au moment fatidique, il se fait téléporter. Et puis il se trouve face à un espèce de monstre araignée loup crocodile face à lui et il fait « oh bravo ». À chaque fois c'est pareil. C'est ça. C'est pour ça. Donc je trouve ça absolument fantastique. Vous n'avez jamais vu Code Quantum. Oui, il n'est jamais trop tard. Écoutez, hein, c'est possible, c'est possible. Enfin bon. Des meilleures séries du monde. Qu'est-ce que ces espèces de trois princes des draps de merde espèrent accomplir? Qui saurait dire ce qui motive de tels êtres à travailler avec les Slods des mers, à opposer leurs adeptes à ceux d'autres princes, à lancer des attaques dans des royaumes rivaux d'Oblivion? De telles actions sont insensées. Et combien de temps faudra-t-il pour tenter de briser cette... C'est complètement les phrases les plus... les plus banales de l'univers. C'est vrai. je vais la faire comme ça, la phrase. Obstacle. Le chevalier Darien doit d'abord recouvrer ses forces, puis purifier au Béclat. Ensuite, Il pourra tenter de nous dégager le passage, pour voir où j'ai emporté le cœur de la loi transparente. Pour le moment, acceptez ceci, avec mes remerciements. Eh, hey, des épaulières lourdes, Dédri. Pendant la convalescence du Chevalier Doré, nous devons continuer les préparatifs avant de briser la barrière. Nice. Comme je ne me souviens plus où mène cette voie, nous devons nous tenir prêts à toute éventualité. Je dois également vous parler d'un autre souvenir. Tu me dis quand t'as fini. T'as dit quoi? Tu me dis quand t'as fini. Ah c'est bon, c'est bon. Ah très bien. Est-ce que vous vous rappelez d'autres choses? Mes souvenirs reviennent lentement, peu à peu. Pendant que vous cherchiez le chevalier, je me suis rappelé la voix d'une femme. Tout juste un murmure. Belle, mais parlant dans une langue que je ne comprends pas. Elle répétait les mêmes paroles, en boucle. C'est marrant, ça ressemble au scénario de la petite sirène. Pendant... Ah bon ? Bah, tu sais, le mec qui est sur. Tu te rappelles de la voix d'une femme ? Ouais, tu sais, il est sur la plage et t'as la gonzesse qui lui chante et il la voit pas bien parce qu'il a le soleil dans la gueule et elle se casse. Et à la fin, t'as Ursula qui prend la voix d'Ariel et comme la Ursula, mais fausse Ursula, genre bonasse Ursula, elle chante avec la voix d'Ariel, lui il se dit ah oh, putain, c'est la Zoulette ! Tu sais, lui saute dessus alors qu'il avait Ariel dans son château depuis 3 semaines et qu'il en tombait amoureux. Ah là là, je m'en souvenais pas. C'est pas dans le Disney ça ? Bah. Si. Si. Enfin, ah bon si. Je m'en souviens pas. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu. Je me souviens juste des chansons, moi. C'est une catastrophe. En tout cas, il est content, cet elfe blanc. Merci, ça fait Nirilou. 3000 ans qu'il est en vie. Il a réussi à la lever une fois en un millénaire. Donc c'est plutôt bon. Mais que pensez-vous que ces souvenirs mystérieux signifient? Je pense que c'était un langage ancien. Ah bah bravo. Peut-être antérieur aux langues de Tamriel. Ce souvenir doit être lié à la barrière de la caverne du rêve et à l'endroit où j'ai caché le cœur. Mon ami, nous devons découvrir la signification de ces paroles. Je vous aiderai de quelque façon que ce soit. J'espérais que vous diriez ça. J'ai envoyé Oriandra à mon bureau pour étudier mes souvenirs et voir si elle pouvait traduire les écrits anciens. Je lui ai même donné les noms d'un érudit à contacter. Un expert en langues anciennes et dialectes obscurs. Allez donc voir si elle a trouvé quelque chose. Un expert en langues anciennes et dialectes obscurs? Putain, le mec il serait même capable de lire du Bousmer. De l'elfe des bois. Paraît-il qu'ils ont une culture, mais c'est un mythe évidemment. Ça fait aucun sens. Enfin bon, mais vous ne savez pas dans quelle langue cette voix vous parle? Non, j'ai simplement le sentiment que ces mots sont la clé de la cachette du cœur de la loi transparente. Je sais que cette langue n'est pas originaire de Tamriel, ni de Nirn d'ailleurs. Elle paraît ancienne, étrangère. J'espère que l'expert la reconnaîtra. Bon, c'est qui l'expert? Forté, le grand maestro de la Maison des Rêveries. Nous avons déjà partagé quelques recherches par le passé. Et il pense que cette langue peut être liée à des tablettes qu'il a étudiées autrefois à Ebonstadmont. Et maintenant, allez voir si Oriandra a progressé en inspectant mes souvenirs. La Maison des Rêveries, c'est pas les jongleurs, les gens qui font du spectacle et tout? Si, attends, non. C'est la Maison des Rêveries, ça? Je sais pas. Ça doit être ça. J'en ai aucune idée. Ouais, ça doit être ça, la Maison des Rêveries. Bon. Mais c'était la quête qui était très sympa. Eh ben, écoute, oui, pourquoi pas? Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Les caisses. La caisse. Ah, tu veux ouvrir une caisse? Mais je t'écoute, je t'écoute. Vas-y, on va ouvrir une caisse. Ah mais je t'écoute, que voulais-tu dire? Ce serait sympa, ça doit exister ça comme jeu. Des jeux où il te dit une phrase, elle n'est pas écrite juste en audio, tu dois deviner quelle langue c'est avec des choix multiples. Je veux dire que ça pourrait être sympa parce qu'il y a plein de langues, moi je serais incapable de les reconnaître. T'arrives à reconnaître, à te dire oh ça, c'est peut-être une langue de tel pays, telle origine, mais je suis sûr que ce serait rigolo. Mmh, voilà. C'est malin, c'est malin, c'est malin. Voilà. Ça pourrait être un Carmen San Diego mais éducatif. Mais écoute, quelle caisse on ouvre? Psychique? Ouais, psychique, c'est toujours mieux. Allez, psychique, vas-y, psychique, c'est parti. Allez, go. Allez, psychique. Allez, chaton. Allez, chaton. Allez, chaton. Ah, de la merde. Mais attention, le bleu. Ah là là. Le bleu, oh j'ai une dorée. Oh la dorée. S'il te plaît, me donne pas un parchemin. Donne pas, j'en peux plus moi. Oh là là. Qu'est-ce que t'as eu encore? Alors j'ai eu une bleue, donc j'ai eu de la merde, mais j'ai gagné un chien. J'ai Boubou, j'ai le chien de Fanta. Oh t'as un petit chien. Ah tiens, j'ai eu un motif artisanal, les arcs qui commencent par un P. Je ne sais pas ce que c'est, je vois pas le nom en entier. Mais ça c'est bien. Attention, oh là là. Le doré, s'il te plaît. Attends. Ah, vas-y, le doré, c'est le doré. Pas de parchemin, pas de parchemin. Oui. Un scorpion de l'écheveau, bah justement, tiens, voilà, un familier pacifique, mais doré carrément. Il est si rare que ça, ce familier. Et bah c'est beau ça, c'est beau. Alors on me dit que le skill de l'arc, c'est piandonnéen. Piandonnéen, oui, forcément, oui, la piandonne. Et regarde, j'ai un chien, regarde, il est là. Ah oui, c'est un gros toutou. Ouais, c'est un gros mastif en fait. Un mastif assez mastoc. Est-ce qu'on s'en ouvre une deuxième? On y croit, on y croit. Je vais te montrer mon, mon nouveau pet aussi. Vas-y, vas-y. Il est là. Sors la bestiole. Oh, oh. Oui, il est tout petit. Il est tout petit. T'es sérieux? T'as vu la taille de Scorpion? Oui, c'est vrai que si j'envoyais un comme ça, je serais en paix. Tu te rends compte que c'est un Pokémon quand même? Les chevaux, tout ça, c'était l'endroit où on était allé. Je me suis dit, c'est un peu s'il va ressembler au scorpion qu'on a eu là-bas. Oui, je veux bien. Un grand scorpion. Oui, non, mais c'est déjà une abomination ce truc. Mais alors, chez Mephala, c'est absolument vrai. Mais tu te rends compte que Scorpion, c'est une monture à mini-pouce quand même. Hein. C'est bourrin. Hein. C'est vrai. Ton scorpion, il a mangé du whey. Hein. Il est sous créatine, ton scorpion, ça va rien dire. Medef, des bisous et bim. Merci beaucoup. Le mec, il a un scorpion. Une deuxième, du coup. Ouais, voilà. Il a un scorpion qui fait la taille d'un homard. Il trouve le moyen de se plaindre. Alors, attends, merci Berilus pour le dindon. Attention, soutien. La Glue Family. Merci beaucoup. T'ouvres la caisse, t'ouvres la caisse. Allez, on ouvre. Allez, let's go. C'est chic. Allez, vas-y. Allez, chaton. Allez. J'ai encore que de la merde. Un violet. T'as pas que de la merde, t'as obligatoirement un truc qui brille un peu. J'ai un truc bleu, mais, quoi que les deux derniers bleus ont été absolument excellents. Bon, les blancs sont nuls, attendez, le violet, le violet. Oh, orbe céleste. Un déguisement. J'ai gagné l'orbe céleste psychique. Je sais pas ce que c'est. C'est une, c'est quoi, c'est une emote, c'est quoi? Ça a l'air d'être, un memento. Ah, bah tu vas pouvoir me montrer ça. Moi, je vais te montrer mon déguisement. Ça a pas l'air très beau, mais ça fait plaisir quand même. Alors, déguisement, apparence. Attends, j'ai ça, ça c'est classe. Où qu'il est. Voilà, moi j'ai gagné ça comme apparence. Mais c'est rouge garde, hein, mais c'est stylé. Ouais. Ouais, ouais, c'est pour ça, ça rend bien. C'est rouge garde parce qu'il y a que qui portent des pantalons à grosses couilles comme ça. Attends, je vais regarder ce que ça donne avec le casque. Que ce sera encore mieux. T'as genre un turban? Bah je sais pas. Alors qu'est-ce que ça donne? Ah bah en fait il y en a pas. Ah bah y'a pas de casse. Non mais t'es bien, attention. Et moi Shazam magie. C'est quand même très très classe. Oh là là. C'est quand même très très la classe. Mais voilà, tu as aujourd'hui Tamriel, demain le monde. Exactement. L'univers est dans le creux de ma main. Oh c'est beau ça. C'est l'anti-chim, hein. C'est stylé. Bon, mais du coup, voilà, j'ai une bouboule. C'est quand même moins stylé que les couteaux du jongleur. Voilà. Ah, mais ça va pas avec mon bouclier. Mince, j'avais une tenue jolie, mais elle va pas avec mon bouclier, donc c'est problématique. Hop. Oula. Je suis en train d'essayer toutes les tenues du monde. Ah oui. Celle-là, elle est jolie aussi, mais avec, pareil, ça va pas avec mon bouclier. Avec les turbans. Effectivement, hein, t'en as des tenues. Ah, hein. Ah j'en ai quelques-unes, ouais. Bon, on va remettre la tenue de Manny Marco qui va pas spécialement bien non plus avec, mais. Bah, une tenue de. Mais t'avais une armure tout en or à un moment, c'est ton armure originale? Non, l'armure tout en or, ça doit être. Ça doit être celle-là, je pense, hein, la Sainte Dorée. C'est ça, non? Eh ben, t'es ultra classe en Sainte Dorée. Ah ouais, non, mais c'est. Regarde le décolleté, quoi. Le problème, c'est le vampire. J'aurais pas eu le vampire, mais il y a plein de veines partout sur les. Mais sur les toutes les femmes sont belles, oh là là. C'est pas la question, mais évidemment. Oh là là. Oh là. Ce mec. Hashtag les vergetures qui s'auto-trigger. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, j'aurais même à tenue de Manny Marco. On le vit bien, on le vit bien. Alors on doit faire quoi? On doit sortir d'ici. Après, bien évidemment, je me retiens de faire toutes les blagues, vampires, sucer, tout ce que tu veux. Hein. C'est évidemment... Non mais voilà. Non, merci. Tu vois, ça c'est un livre. Voilà, dedans il y a toutes les vannes. C'est moi qui l'ai écrit, hein, entre midi et 14h. Je le mets de côté, mais par amitié. Alors attends, portail vers la... Hey. Mais il est dangereux, Scorpion, il vient de planter le sol, mais genre en mode bourrin, quoi. Bah écoute, c'est comme ça qu'il se reproduit. Il fait l'amour avec la nature, laisse-le faire, laisse-le faire. Ok, tout va bien. Donc du coup, on est dans la tour de Sephora. Donc Sephora, c'est bien évidemment le magasin dans lequel on achète des vêtements. Je suis désolé, c'est terrible. Ah mais Sephora, t'achètes pas des vêtements? Je sais pas ce qu'on achète à Sephora. Sephora, c'est pas du... C'est pas genre du maquillage ou je sais pas quoi. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est un truc de gonzesse? C'est un petit peu réducteur. Bah, pas réducteur, c'est enfin, une explication sur le pourquoi du comment. On ne sait pas pourquoi ça existe. Leur cible marketing, Sephora, c'est du parfum. Non, c'est du maquillage, non, c'est du parfum cosmétique. Bon, ok, très bien. Okay. Je te respecte, donc je le répète pas, mais j'en pense pas moins. Je vois une corrélation possible avec le schéma linguistique des dracs. 3, 2, 1, go. Quoi? Oh, vous ne savez pas qu'il ne faut jamais interrompre un sage lorsqu'il est en pleine concentration? J'imagine que le maître des rites vous envoie pour savoir où en sont mes recherches. J'ai écouté son souvenir en boucle, et j'ai examiné tous les grimoires que je pouvais. Avez-vous pu identifier la langue inconnue? Pas encore. Le maître de la Maison des Rêveries m'a envoyé son travail. Il est lié à une langue similaire aperçue dans les ruines d'Ebonstadmont, mais je ne comprends presque rien. Si seulement Leythen était encore avec nous. C'était lui notre expert en langue. Est-ce qu'il est Leythen? Je sais pas. Leythen est un expert en langue antique. Quelqu'un se souvient dans le live si... langue antique et en magie de combat, pour ne citer que deux de ses domaines préférés. Ah. Leythen nous a trahis, je me méfie de lui, mais je suis dans l'impasse. J'ai besoin d'aide, et il est le mieux placé pour me l'apporter. Allez donner ces notes à Leythen. Qu'avons-nous à peine? Le traître! C'est le traître! C'est le traître! Le mari de Valsirène! Ah, le mec qui a perdu sa fille! Le mec qui est en prison, mais il est en prison, mais il est au Club Med en fait. Oui, c'est ça, oui, c'est la meilleure chose. C'est bon ça. Je t'en prie. Attends, j'ai cliqué. Je sais plus si j'avais un truc à lire. Ah d'accord. J'en suis à vous penser vraiment que Leythen va nous aider, ça tu as ça ou pas encore? J'arrive, encore quelques secondes. Mais il nous dit toujours d'utiliser. Attends, ça arrête pas de s'abonner chez moi là. Merci beaucoup Xoltras qui s'abonne pour la 12e fois, diantre, un an déjà. Merci beaucoup et White Wolf qui offre un abonnement à Ogmalelis, 26e abonnement offert sur la chaîne, c'est un fou. Merci beaucoup White Wolf. D'où j'ai eu tout cet argent ici sur YouTube. C'est ça. Non mais ça fait pas longtemps et White Wolf tous les jours il vient offrir des abonnements à des gens. C'est beau. Donc c'est très très gentil. C'est beau, c'est beau. Alors je t'écoute du coup. Vous pensez vraiment que Leythen va nous aider? Je n'en ai aucune idée, mais cela vaut la peine d'essayer. Je sais que Leythen était ami avec le maître des rites, ainsi je doute qu'il tente de lui nuire. De plus, si Leythen pense que nous aider peut faire progresser sa cause, il saisira l'occasion. Wow, wow, attendez, attendez, attendez. Leythen était ami avec le maître des rites Yachesis, ou Yachesis. Le truc, c'est que Yachesis, il... Comment dire, c'est son ennemi. Je veux dire, Leythen a trahi. Si le mec était prêt à trahir sa femme, je pense qu'il était prêt à trahir le maître de son précédent ordre qu'il avait trahi en lui-même. Déjà pour commencer, qui a mené à toute cette merde en premier lieu. C'est son bro, on trahit pas les bros. Ouais, mais son fils ou sa fille est morte, je sais plus. Et l'autre, il avait pas voulu la soigner ou il y avait une phase mystique, on est d'accord, c'est un argument voilà, pas valable. Ça m'a l'air foireux, ça m'a l'air foireux. Hein. Enfin bon. Pourquoi pensez-vous que Leythen s'est rallié à Mephala? C'était sans doute lié à sa fille. Fille, merci. Eldave était une belle fille, intelligente, douce et pleine d'énergie. Avec un nom pourri. Un vrai rayon de soleil sur notre île. Lorsqu'elle est tombée malade, Leythen et Valsirène se sont déchirés. C'était leur manière de gérer la tragédie. Ah. L'ordre psychique n'a pas pu la soigner? Vous imaginez bien que nous avons essayé. Le maître des rites, Valsirène, tout le conclave. Mais rien n'y faisait. Elle s'affaiblissait de plus en plus, jusqu'à nous quitter. Après cela, Val s'est jeté dans son travail à corps perdu. Et Leythen a pris de la distance avec tout ce qui l'entourait. Ils ont même pas, tenté de soigner la maladie du manga avec une Edelweiss, quoi. Je vous comprends pas. Ce n'est pas Valsirène qui devrait demander ce service à Leythen? Oui, si vous voulez être certain que Leythen refuse. Vous ne les avez pas vus depuis qu'ils se sont retrouvés? Val a envie de le tuer, et Leythen la déteste de tout son cœur. Mais c'est de la tension sexuelle, ça. Ça me brise le cœur. C'est de la tension sexuelle, enfermez-les dans une salle pendant 24 heures, vous allez voir, ça va bien se passer. C'est comme ça que commencent tous les mangas, c'est comme ça que ça se fait dans tous les films. Vous avez jamais regardé des films? Évidemment que non, elle a pas regardé des films. En regardant les boucles d'oreilles qu'elle porte, évidemment qu'elle a pas regardé des films. Regarde ça, elle a deux bouquins qui flottent en face d'elle, elle tourne même pas les pages elle-même. Hein? Et combien tu paries qu'il y a aucun de ses livres qui a une information intéressante? Parce que tu sais pas faire ça, t'es jaloux. Hein? Ce serait hyper pratique, aux toilettes, regarde. Tu fais... ta BD, ton bouquin, il est vite devant toi, c'est hyper pratique. Chers amis, cet homme, Krayn ici présent, m'a percé à jour. Étant perdu en mon moi intérieur, je ressens un grand conflit. Bon, viens cliquer sur les recherches du grand maestro. Putain, quand j'étais adolescent, j'aurais bien voulu avoir... J'aurais bien voulu avoir ce pouvoir de tenir deux bouquins en même temps, sans les mains. On veut pas savoir pourquoi. On veut pas savoir pourquoi. Cuisine, pour la cuisine. Les recherches du grand maestro, ouvrons ça alors. Vas-y, je te laisse le lire. Une langue inconnue couvre la pierre... attends, le grand maestro, attends. Une langue inconnue... un maestro, donc... un accent italien. Une langue inconnue couvre la pierre massive découverte au cœur d'Ebonstadmont. J'ai fait quelques progrès pour formuler une clé afin de traduire cette langue, mais je manque de références en dehors de cette pierre. Cette langue est bien plus ancienne que tout ce que j'ai pu étudier en Tamriel, ou même dans Nirn. J'imagine qu'elle est liée au Dédric, mais aussi impossible que cela paraisse, je pense qu'elle est encore plus ancienne que le dialecte d'Oblivion. Je fais très mal accent. J'ai pu traduire l'une des strophes de la pierre, mais je la comprends pas pour autant. Ah là là, comment tu vas pas te jusqu'au bout. Attends. Les corbeaux nous guident lorsque le chemin s'égare, et que les arbres notre chemin barrent. D'accord. Quand il n'y a plus de chemin, il y a des corbeaux et puis il y a des arbres qui barrent la route. Ok. Mes efforts continuent de porter leurs fruits. Cette strophe est encore plus énigmatique. 2 corbeaux pour commencer la quête, puis un seul pour poursuivre l'enquête. Mais ce n'est pas un ou deux qui ouvrent la voie. Seuls les corbeaux en cela auront voix. Plus j'étudie cette lance mystérieuse, plus je suis inquiet. Il me semble parfois que simplement en me penchant sur son mystère, j'attire l'attention des forces que je comprends à peine. Je vais abandonner ces recherches un moment et me tourner vers d'autres projets. Comme les pastas, si, l'oustoukru. Je pourrais finir d'écrire ma comédie sur les 3 cachites qui ont perdu leur mitaine de soie. Merde, c'est un vrai italien. L'oustoukru, c'est pas une marque française? Non, je déconne. Mais c'est parce que c'est marrant de dire l'oustoukru en italien. Mais ce que je veux dire, voilà, je pourrais finir d'écrire ma comédie sur les 3 cachites qui ont perdu leur mitaine de soie. C'est vraiment un italien, le gars, en fait. Ah là là, ça fait un petit côté Lovecraft ce qu'il dit, il en apprend de plus en plus, puis il commence à entendre, à attirer leur attention de force. Eh ben, Lovecraft, c'est très Lovecraft. T'es pas allé en Apocrypha toi, hein, donc Lovecraft, voilà, c'est le domaine d'Hermarus Mora, l'espèce de créature cthulhienne plein d'yeux dégueulasse qui fait que collecter des informations. Ah. Son domaine est... Après, Lovecraft, t'as plusieurs types. Hein. Tu sais, t'as la partie recherche, la partie ésotérique, mais où tu vois pas vraiment de... Bien sûr. De trucs. Évidemment. Une proposition. À partir du moment où tu vois des trucs, de toute façon, dans Lovecraft, c'est mauvais signe. Ouais, exactement. À partir du moment, c'est ça. Où est-ce qu'on doit aller? On doit aller... On doit faire quoi? Ah oui, il faut aller, faut prendre le portail. Parler au compte, ouais. Pourquoi c'est tout noir? Attends. Bon, il faut que j'aille voir le chevalier. Val, attendez. Oh, ce drama! Qu'est-ce qui se passe? Le drama est total, je te laisse découvrir. Non mais t'es allé à l'extérieur toi? Non, c'est dans la tour que ça se passe. Il y a un truc dans la tour? Oui, bah, c'est là où il se trouve, Leythen. Et Leythen, il est à l'extérieur? Non, il est à l'intérieur, Maillard Elf. Voilà. Et quand tu vas te téléporter, tu vas voir qu'il y a drama. Je te laisse découvrir. Ah ok. En effet. Bon, c'était court. Oui, mais c'était drama. Il a utilisé la punchline qui fait mal. Voilà, mais c'est... Et puis la punchline qui fait mal, et surtout, il était là, non, attends, non, ne pars pas. Et là, il y a drama, tu vois, moi, je me... il sait qu'il a dit une connerie. Délecte. Je me délecte. Bon, est-ce qu'on parle à cet homme brisé qui est en prison? Allons-y. Vas-y. 3, 2, 1, go. Par les saintes toiles de la tisseuse, quand suis-je devenu une personne aussi insupportable? Depuis que t'es un elfe. Valsirène ne méritait pas ça. C'est à la naissance, hein. Elle avait été aussi sa fille. Pourquoi suis-je en train de vous parler de ça? Je sais que ce n'est pas par amitié, car je ne vous apprécie pas. C'est grâce à nos pouvoirs de protagoniste. De quoi? Du coup, je fais, vu que t'as lu le bouquin. J'ai cru comprendre que vous étiez doué en langue. C'est une nouvelle technique d'interrogation? Si c'est le cas, elle m'échappe. Allez, admettons. Oui, je suis un maître linguiste spécialisé dans les dialectes obscurs et antiques. Pourquoi? Nous avons besoin de vous pour déchiffrer ce pif et Hercule. Non, je sais que le truc trop ancien. Ah, les gens qui n'ont pas connu pif et Hercule, c'était bien, t'avais un truc à monter. T'as connu toi plus jeune ou pas? Évidemment, mais le truc c'est que voilà, c'est pour ça, c'est beaucoup trop ancien. Et Zach Cherokee qui rejoint la Glue Family, des bisous et bim. Là, on parle même pas de Petit Loup, tu vois. Petit Loup encore, c'est une référence, les gens ils comprennent. Mais Pif et Hercule, c'est terminé. Petit Loup, moi je l'ai pas, c'est quoi Petit Loup? Mais Petit Loup, non? Petit Loup, non, je sais que ça, le mot j'ai déjà entendu, mais c'était quoi? C'était des bouquins aussi Cet non, homme Loup, je l'ai pas. Vient de briser l'esprit du Lennon. Son estime et l'introspection qu'il a fait précédemment étant déjà en morceaux, il ne peut que contempler le vague sentiment de culpabilité qui... Mais c'est pas trop récent pour moi, petit loup, peut-être. Non, c'était les années 90, c'était les années 90, laisse pisser. Mais 90, moi j'avais plus de 10 ans, moi déjà. Bah, oui, mais moi aussi, mais c'est pas grave. Du coup, vas-y, je t'en prie. Le maître des rites a entendu ces mots, mais nous ignorons leur sens. Il pourrait indiquer l'emplacement du cristal de la tour. Intéressant. Je n'ai jamais vu ce dialecte. Je peux le traduire, mais il me faudrait d'autres échantillons. Eh bien. Je dois examiner les tablettes originelles découvertes à Ebonstadmont. Bien sûr, c'est impossible. Vous vous souvenez que je suis prisonnier, n'est-ce pas? Prisonnier. Ouais, c'est dis donc. Hein. Oh là là, les conditions de la prison. Et les conditions de la prison, il porte quand même son uniforme du dieu du mal. Hein. Ouais. Voilà, tu vois, c'est quand même. Hein. On lui donne du lait de bouquetin pour qu'il refasse ses méchouilles à la maillard au menton tous les matins, tu vois. Le gars, il est coiffé, peigné, son lit vole. Je sais pas en quoi c'est un avantage quand t'es prisonnier, mais c'est quand même le style. Du coup, là, je veux dire. Voilà. Parce que là, ouais, c'est censé être sa chambre en fait où on est. Mais c'est sa piole, ouais. Ah oui, ça va. Hein. Ouais, ça va. Mais moi, je peux aller à Ebonstadmont. De quoi avez-vous besoin pour terminer la traduction? D'après ces notes, les écritures sont gravées dans une énorme pierre. Je doute que vous ayez réussi à la rapporter ici. Bon, vous avez piqué ma curiosité. Utilisez cette rune une fois à Ebonstadmont et je serai capable de voir ce que vous voyez. Oh, j'imagine que tu veux la question 2. Il me connaît trop bien. Parce que c'est très important. Attends, surtout que la première question, c'est « Utilisez cette rune et je serai capable de voir ce que vous voyez ». À quoi ça sert exactement? Voilà, bon. Du coup, question 2. On a une question primordiale pour la réussite de cette entreprise. Que se passe-t-il entre Valsirène et vous? Je ne vois pas le rapport avec notre conversation. Du tout. Mais j'ai parlé avec Argne pour la blesser. Je n'aurais pas dû rouvrir de vieilles blessures. Mais que vous importe, je suis votre ennemi. Vous l'avez bien compris, j'espère. Non, en fait, si on le fait ça, monsieur, c'est pas pour vous ou pour elle, hein, c'est juste qu'elle chevalier d'or et c'est un gars sympa et il voulait son 0,6, donc on... Vous avez de la concurrence, attention. J'ai la persuasion, j'ai 1000 points, j'ai 1000 points, voilà, c'est pour ça. Ce que Val et vous avez traversé est horrible. Je veux juste vous aider. Vous êtes comme Yachesis, à mettre votre nez partout. Je pourrais comprendre, mais la gentillesse ne vous servira à rien dans cette guerre. Très bien. Je vais vous le dire. Val aimait notre fille. Et notre fille aimait Val. Eh bien. C'était un secret assez incroyable. Oui, mais c'est un secret assez incroyable pour des elfes blancs. Mais je veux dire, ça me paraît... si c'est ça le standard d'une famille exceptionnelle chez les elfes blancs, je me dis bordel de merde. Il y a des soucis. C'est pas, ouais, bon. Je t'en prie. Pourquoi vous détestez-vous à ce point dans ce cas? De la haine. Je ne sais pas ce que je ressens. Mais lorsque ma fille était mourante, lorsqu'elle réclamait en larmes du réconfort à sa mère, Val n'était pas là. Elle s'était cachée dans son travail, trop occupée ou trop terrifiée pour passer ses derniers moments avec Eldavé. Oh, ce drama! Parle-moi plus! Et ça fait penser... Alors, c'est quel film où j'ai trouvé le concept très intéressant, où tu sais, avec Hugh Jackman, je crois, où sa femme est atteinte d'un truc incurable, mais lui, jusqu'au dernier moment, plutôt que de passer du temps avec elle, il va tout faire, chaque instant, il va les dédier à essayer de la sauver. Est-ce que tu as vu ça? Absolument. Très bon film. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Moi, ça me fait penser à Silent Hill 2. Dans la même optique. Ça a l'air moins cool. Non, mais Silent Hill 2, au contraire. The Fountain. The Fountain, ok, très bien. Ouais, la Fontaine. Bon. Moi, ça me fait penser à Silent Hill 2, avec l'idée d'une femme qui se meurt à petit feu et d'un homme qui en a tellement marre et qui est tellement dans la douleur et qui n'en peut tellement plus qu'à la fin, sa femme, l'oreiller, tout ça. Ah, d'accord. Donc, oui, mais c'est drama. Oui. Voilà. Parce qu'il y a tellement de douleur, tu peux même pas lui en vouloir. Elle lui en veut même pas. C'est ça qui est drama, en fait. C'est terrible, c'est terrible. Mais moi je... c'est terrible, mais il n'y a plus que ça pour me la faire lever. Je t'en prie. Au revoir. On lui pose pas la question, vous. Oh, bah si, allons-y, tiens. Alors. Allez, à quoi sert la rune que vous m'avez donnée exactement? J'ai déjà oublié. Rien de méchant, si c'est ce que vous demandez. Entrez dans la forêt, trouvez le langage obscur pour la réponse. Et utilisez la rune pour que je puisse voir ce que vous voyez. Rien de plus, je vous l'assure. Bon, bah écoute, il m'a l'air légit, on peut pas lui faire confiance. Très bien. Et pose la question, qu'est-ce qu'on s'attend dans... À quoi dois-je m'attendre dans Ebonstadmont? D'après les écrits de ce grand maestro forte, et par la toile de la tisseuse, quel titre pompeux. Cette forêt est un labyrinthe rempli de toutes sortes de bêtes et de dédras. Quant à savoir pourquoi, mystère. Parfois, une forêt maudite n'est rien de plus qu'une forêt maudite. Que se passe-t-il entre Valsirène... Attends, Valsirène, c'est le wagonnais, là c'est Valsirène. Ah oui, Valsirène-vous. J'avais pas vu, j'avais pas vu. Bon, ils ont même choix parce qu'il y avait les autres choix. Moi je leur fais pour me faire... avec hargne pour la blesser. Me faire envoyer par cet homme en fait. Je n'aurais pas dû rouvrir de vieilles blessures. Okay. Bon, moi j'y vais, je te laisse finir si tu veux. Ouais. Mais que vous importe, je suis votre ennemi. Vous l'avez bien compris, j'espère. Je sais que vous êtes notre ennemi, je souhaite simplement rouvrir ces vieilles blessures chez vous et faire en sorte que vous avouiez à nouveau le pourquoi du comment vous n'entendez pas avec votre femme. Intéressant. De l'honnêteté teintée de tactique. Je salue votre raisonnement. Mais cela ne regarde que moi. Je ne cherche pas d'amis et encore moins à rejoindre les psychiques. Bon. Il n'a pas voulu le dire et il a été poli, donc tout va bien. Du coup, on ouvre une caisse. Encore? Bah oui. Comme ça. Ah là là, on m'a envoyé une tenue, une robe en lin. Merci. Allez, t'es prêt, la caisse psychique? Attends, j'y suis pas. Caisse psychique. Le caillou? C'est bon, j'y suis. Allez, vas-y, plouf. On y croit, allez, chaton, chaton, chaton. Allez. Les croquettes, allez, chaton, allez, du bleu. Allez, il m'a donné que de la merde. Non, que du bleu. Que du bleu. Là là, attention, le bleu. Oh, oh. Parchemin et le bleu. Oh, en scène. Ah non, je l'avais déjà. Oh, c'était une emote que j'avais déjà. Oh non. Tant pis. Utsukushi. À la prochaine. Oh là là, retour, ça donne envie d'en ouvrir plein. Oh là 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 là. Qu'est-ce que t'as eu? Attends, j'arrive. J'ai eu un diadème. J'ai gagné la promo de la femme la plus belle. Là, je suis sublime. T'as vu ce diadème psychique absolument mais irréprochable? Ouais, j'avoue. Oh là 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 là, je suis belle. Non mais là, je suis désolé. Là, je pense que c'est le moment. De tenue. Ah oui, bah oui, évidemment. À un moment, à un moment, il faut admettre. Il faut s'admettre. Tu vois, à un moment, il faut l'accepter. Il faut accepter. Oh là. Et même 20 gold. La filigrane d'or. Tatouage facial. Ça. Quoi tout ça que vous m'envoyez? Ah oui, c'est pour le style. C'est pourquoi? Nécessaire de réparation. Teinture de sang. Teinture de. Mais pourquoi tu m'envoies tout ça? Ah mais c'est pour mon autre perso ça. Je comprenais pas. Ok. Ça faudra... Oh c'est classe. Hop. Tu as un magnifique chapeau. J'arrive, j'arrive. Ah la couleur cote pas. La couleur passe pas. Fais voir comme ça. Oh 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 là oh là. Oh là 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 là. Alors là. Là je veux pas dire mais... On arrive quand même à des degrés de qualité qui sont absolument exceptionnels. Il est obligé de mettre le casque, ce con. Il va pas mettre le casque, comme ça c'est pas mal. La robe. Ouais, le pourpoint, déguisement de gars nés d'hiver, fais voir, non. J'ai un truc qui est cassé. Chevalier de la garde du lion, costume de noble. La cour du saccage. Putain, j'ai ça moi. Hey. Attends. Comment réparer? N'est pas nécessaire de réparation. Et un énorme dindon de Pyro Dindon. Merci à quand un remix Pyro Glouglou. Ah, c'est top vos petits streams communs, des bisous. Bah, je suis content que ça te plaise et merci beaucoup pour le dindon. C'est très gentil. Oh, merci beaucoup. Voilà, là je suis merveilleuse. Faudra qu'on aille voir. Je peux réparer un PNJ. Hein. Ou alors c'est juste. Comment on fait? Enchanté peut-être? Incroyable. Non, c'est pas ça. Absolument incroyable. Tu peux réparer à n'importe quel marchand. Ah, ok, faudra trouver un marchand. Magnifique. Merveilleuse. Voilà. Sublime. Magnifique, magnifique. Ah, avec la petite rose et tout. Non mais là je suis parfaite. Ce qu'il me faudrait c'est du rouge à lèvres pour être sincère. Je sais pas si c'est possible. J'espère. Hein. De toute façon ça remplacerait probablement les yeux quoi. Ah ouais mais ce serait mascara rouge à lèvres tu sais. Mais le must ce serait pas du rouge à lèvres rouge. Ce serait du rouge à lèvres genre violet, rose ou pourpre. Oh. Ah là ce serait... On serait à un degré de utskuchisme qui dépasse bien évidemment... Voilà quoi. Bon, par contre j'ai du stuff cassé, faut trouver un PNJ. Ah. Il y en a absolument pas ici. La répareuse, elle te répare pas ton merdier? C'est quoi la répareuse? La gonzesse, t'as une blague dans ta poche. Ah la marchande, tu crois qu'elle... Non elle peut pas réparer, je crois pas. Hein. De mémoire il n'y a pas l'option. Ah quoique attends, C'est où ce... ah, je vais regarder, Pas dit, hein, c'est clair, hein, j'ai dit un œil. Hein. Assistant, hop, hop, si tu veux en profiter pour vendre. Ouais, je vais en profiter en fait pour transformer mes cailloux. Non, il n'y a que vendre et racheter. Salut, quel dommage. Mon ami. Attends, on va se mettre là, ça, ça. Ça, qu'est-ce que j'en ai à faire? Ça, c'est du 7. Au revoir, mon ami. Voilà. J'ai plein de cailloux, tout va bien. Écoute, oh la vache, il a un chameau en or. Tu m'as envoyé cette robe en lin. Je cherche à comprendre pourquoi quelqu'un m'a envoyé une robe en lin. J'ai même pas compris. Il y a un PNJ qui peut plus loin. À cet endroit-là. Dans, dans cette... ça a l'air joli, ça. C'est pas lire en acier d'union. C'est pas grave. Stylé. Hop. Hop. Bon, ça va, j'ai fait suffisamment de place. T'as vendu un peu? Ouais, moi j'ai de la place. Je pense que... Ouais, je suis bien, j'ai toute la place du monde. Bon, j'ai 40 places. Donc bon, on est bien. Dans tous les cas, nous on me dit qu'il y a un PNJ un petit peu plus haut. Il faut qu'on se rende à Ebonstadmont, donc... ah, ici. Pourquoi je l'ai pas vu sur la map? Attends. Magasin, marchande psychique, réparer. Ah bah voilà. Ça coûte combien de tout réparer? Il y a un truc tout réparer, 1000. Ah oui, quand même. Ebonstadmont, c'est ouf. D'accord, très bien. C'est bon, c'est réparé. Tout va bien. Ok, OTP, Ebonstadmont, t'as trouvé? Je vais me téléporter, tu vas pouvoir me suivre. Ok. Voilà, pendant que tu faisais tes trucs, moi je regardais la suite, tout va bien. Tout va bien. Dès que t'as chargé, je me téléporte. Moi je suis content, j'ai tout gagné. À chaque fois, tu sais quoi, j'ai ouvert des caisses, j'ai eu que des bleus, genre des petits bleus. J'ai gagné un chien, j'ai gagné un rouge à lèvres, mais d'une qualité. Enfin, un bleu pour les yeux, quoi. Oui. J'ai gagné le petit diadème. Mmh. Mais vraiment, j'ai rien. Enfin, t'as eu le... C'était pas bleu l'orbe psychique, hein? Et j'ai eu l'orbe psychique. Si, si, c'est bleu. Si, si, c'est bleu. C'était bleu, ça? C'était bleu. Oh, c'était super. J'ai eu que de la merde bleue, hein, mais c'est génial. Hein. T'as chargé? Ça y est, j'y suis. Tu peux y aller. Ok. Regarde ce daim. Ce daim qui ne comprend pas ma puissance. Oh, oh oui. Le psychopouvoir. ce chien fidèle. Attends, je vois pas. J'arrive, ça charge. Non mais j'avoue, c'est ultime. Hein. Mes tenues sont les meilleures tenues du monde, hein. J'ai aucun regret. Moi sur ce perso, j'arrive pas à trouver une tenue qui me plaît. Dans les deux sens, hein, que ce soit classe ou rigolo, il n'y en a pas une qui me... Ah bah, y a pas, il faudra que je trouve. Hein. Que tu, hein, c'est salon de cosmétique. Mais c'est le style vampire, hein, c'est difficile de... Marquage faciaux, marquage en taille à étron, marquage lune noire. Moi je cherche du coup maintenant s'il n'y a pas des, s'il y a pas des tatouages ou des du fard à paupières ou des trucs comme ça. Hein. Ça c'est ensemble. Pack de beauté barbare. Magnifique. Pack de beauté barbare à 1000 couronnes, mais ça les vaut hein. Ah t'es dans le shop là? Ah je suis dans le shop ouais. Moi j'ai vu le rouge à lèvres, si tu veux, je me suis dit, bon, à un moment, voilà, il faut oser, tu vois. Il faut se dire que, voilà, pour moi, il y a encore un nouveau style artisanal. Chute d'épervine, mais ils en font 50 000, quoi, des styles artisanaux dans, absolument dans le jeu. Je pourrais changer de coiffeur, mais la coiffure, j'ai très bien ma coiffure. Artisanat, je m'en fous. Garde-robe. Alors, garde-robe pour les chapeaux, je regarde, bien évidemment, hein. Des chapeaux absolument exceptionnels. Costume. Chevalier aurorant. Au sang. Corset d'équitation. Ah putain, c'est bon, je peux voir un aperçu. Oh, ça vaut 13. Ce costume est très bien. Corset. Le corset est pas mal. Hein. Le corset apporte un petit bonus, j'avoue. Non, ça c'est trop, Pas mal ça. Pas mal. Ça, j'ai envie de dire, c'est luxuriant. Petite ouverture sur les poils du torse. Je peux difficilement... Oh, oh là là, je suis un vrai chaman. Tout à fait. Avec ça, je suis un vrai. Ah non, mais je les vois pas, je les vois pas. Non, mais je sais, mais je garde la surprise. Mais il y a des tenues absolument exceptionnelles que tu ne saurais, récluser, si tu veux. Alors, c'est dans quoi? C'est dans le salon cosmétique, garde-robe, costume, ouais. Et le simple fait de cliquer une fois dessus te permet de voir le, le truc, mais. C'est trop parfait. C'est trop parfait. Elle est chouette, la tenue noble. Bien sûr. Pour la teinture, fais voir. Attends. Non, attends. Faut que je m'équipe. Absolument exceptionnel. Elle est sympa celle-là. Simple, mais sympa. J'aime beaucoup. L'habit de fête à Balmora, j'aime vraiment beaucoup. Le corset est très très joli. Avec les bottes longues hautes en plus. Je suis curieux de savoir ce que ça donne sur Apollo, ça. Ou sur toi. Ça donne quoi, habit de fête à Balmora sur toi? Tu l'as testé? Attends. J'ai des boucles d'oreilles. Peau, pilosité faciale, marquage de tête, coiffure, chapeau. Non, là, j'ai aucun regret. Hein. Là, pour le coup, je suis magique. Et attends, est-ce que je peux aller dans le shop une dernière fois et regarder les teintures? Vas-y, vas-y. Oh, exceptionnel. On atteint des niveaux... Tellement de tenues. Tu rates des choses, Krayn, t'as pas idée. Ah, attends, je vais cliquer sur son live, moi. Non, mais non, honnêtement... Ouf, ce petit argent rose, là. Un peu timide, mais à la fois... Oh là 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 là, cette robe. Ah non, mais je suis merveilleuse, hein. Oh là là, c'est magnifique. Mais t'as changé de... Non, c'est la même coupe de cheveux? Non, c'est pas la même, c'est une coupe de cheveux bonus. Ah, c'est bien ce que je pensais. Ah, mais il y a aussi des coupes de cheveux. Je crois que je suis partial pour celle-ci, hein. Celle-ci me plaît. Hein. Canaille fourrage rose, ouais, il n'y a pas à chier. Allez, c'est pour moi. C'est offert. Ouais, voilà. Est-ce que tu voudrais une couleur bien pour une de tes tenues? Regarde, je te l'offre. En cadeau. Oh, j'ai jamais regardé, donc comme ça, je pourrais pas te dire. Hein. Merde. Non, t'embête pas. Parce si, c'est offert. C'est offert. Allez, c'est offert. Va donc dans les cadeaux spéciaux de bouclier courant, machin, c'est tout. Équipe-toi d'une tenue dont tu veux, changer la couleur en rose. Oh là là. Mais ça va pas avec mon bouclier, toutes mes armes sont vertes et c'est un vert flashy. Mais non, mais on s'en fout. On s'en fout pas. Oh là là, acceptez le cadeau. Voilà. Bon, je t'envoie pas un message de remerciement, mais c'est dans ton inventaire. Mets la tenue que tu souhaites et clique sur ta teinture. Et voilà, tu peux encore confirmer plusieurs fois. Et du coup, c'est une teinture à usage unique. Une fois que c'est fait, c'est fini. Une fois que c'est fait, c'est fini et ça change définitivement la couleur. Et ça peut changer la couleur d'un déguisement. Ah, ça ne change que la couleur d'un déguisement, justement. Ah, d'accord. C'est ça le... Il faudrait... Ah, attends. Quoique, pas dit, hein. Apparence. Change de ta tenue favorite avant d'appliquer cette teinture, sinon tu risques de... Oui, on est d'accord, Voilà. Mais là j'avoue, c'est Princesse Conan, hein. C'est beau, hein. Ah, c'est... Ah, moi, je leur fais Xena, c'est vénère, hein. Oh, il est trop stylé, lui. Je sais pas sûr. Je les aime bien celle-là. Mais non, celle-là aussi. Il a du rouge à lèvres bleu. Je ne suis que jalousie. Ah oui, j'avoue. En effet. Il a du rouge à lèvres bleu, je ne suis que jalousie. Regardez, je suis très très vexé. On dirait un perso de James et les hologrammes qui est très vexé. J'ai pas tenu à changer les couleurs, Bob. Tu me prends au dépourvu comme ça. Sur quoi tu veux que je mette? Mais où t'as trouvé cette robe? James, c'est le rêve. Ouh, James. James c'est la fièvre. Ouh. Vert et rose, ça passe. Et je peux pas l'enlever la teinture après parce que là, par exemple, j'ai envie de... Ce sera définitif. Non, mais tu peux pas me faire ça. Ah bah, écoute, fais-moi plaisir. Bah, je veux bien, mais sur... Attends, je peux, quand j'utilise la teinture, je peux prévisualiser avant de valider ou pas? Oui, tout à fait. Ah bon, bah ça va alors. Ok. Voilà. Tu sais, parce qu'il faudra appuyer sur R pour confirmer une bonne fois pour toutes. Ok. Et donc, c'est dans quoi? Ça apparaît dans quoi? C'est dans mon inventaire, oui. Oui. Incroyable. Oui. Non, tu vois pas hein, pour le moment. Non, je vois pas. Ok. On va continuer de tester. Ça donne quoi sur une armure comme ça? Oh, c'est joli. Ouais, mais du coup, c'est joli. Et du coup, ça va être l'arnaque, parce que toi, tu crois que je vais faire un truc ridicule, mais je vais faire un truc joli. Mais c'est pas grave. Moi, je pense que je suis assez ridicule pour deux, si tu veux. C'est pas mal, ça. Qu'est-ce que vous en pensez sur le chat? C'est un petit peu la classe, en vrai. Oh, ce serait plus... un petit peu la classe. Oui. Oui, oui. Eh ben, c'est validé, mais oui, t'es stylé. Ok. Et voilà. J'arrive. Oh, 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 mais c'est pur stylé, en fait. Ah, oui. Ah, vous. Surprenamment. Dommage pour le bouclier, parce que je pourrais changer la couleur du bouclier, ce serait très joli. Oui, mais tu pourrais aller dans un comment ça s'appelle? Ouais, il faut que j'aille dans un, ouais, dans un. Oui, c'est pas grave. Mais je vais dire, attends, ma chérie, dis-moi que je suis magnifique. Attends, t'as pas vu? Tu es magnifique. T'as pas vu, attention. La pause. Magnifique. T'es prêt? Attention. Bouge pas. Et voilà. Et ça, c'est là. Ah bah oui, c'est clair, hein. C'est formidable. Hein. C'est le truc duchesse. Et il y a tilt, attends, slash tilt. Tu voir. Non. Oh les moi. Utsukushi. C'est garanti. Oh putain. Oh mais je suis merveilleuse, hein. Ah, je suis merveilleuse, il n'y a absolument rien à dire. Là, je me sens prêt. Allez, je me sens prêt à aller sauver l'univers, tu sais quoi? Allons-y, par où est-ce? Merci, chaton. Ah oui, mais non, je peux pas. Pas grave. C'est marrant, les Khajiits qui ont des tenues qui ouvrent sur leur nichon, tout ça, j'arrive pas à voir ça comme sexualisant. Ah bon? Bah, c'est pas des nichons, je veux dire, c'est un Khajit, quoi. C'est un chat. Ouais. Tu vois, ça veut... quand même, hein. Oui, bah justement, moi je ne comprends pas. Je suis pas. Ah, c'est là qu'il faut entrer. Je me disais, c'est quoi? C'est l'endroit où on doit aller. Où ça? Non, c'est pas. Oui, attends, j'ai une entrée pour Ebonstadmont là, c'est pas ça? Bah si, c'est super. Où? Je t'arrive, j'arrive. J'étais dans la forêt. Ebonstadmont, allons-y. Ok. Ce serait sympa que t'es où? T'es là. C'est sympa que ce soit un vrai labyrinthe, mais je doute du fait que ce soit un vrai labyrinthe. Il y a un gros green. Voilà. cette classe. Bon, on est bien là si tu veux. Là on est quand même incroyable. Hop. Attends, juste avant, faudrait pas... Voilà. Le chignon, allez. C'est où tu vas d'ailleurs? Absolument pas. C'était juste. Oh la vache! Il est mort? Non, il se téléporte. Mais où est-il? Il est mort. On a eu des loots. Et du coup, faut pas aller là. Bon, j'ai pas bien compris où. Ah mais c'est peut-être vraiment un. Aïe. Va peut-être falloir trouver par où on passe. Utiliser les différentes portes, je pense. Eh bon. Disions-nous donc. Oui, mais... Attends, parce que si on suit l'endroit où il nous dit d'aller, est-ce que c'est la... Attends. Ou alors fallait aller au centre ici. Ah, faut peut-être aller... Non, pas du tout. Je sais pas, il y a du gros mob qui pop là. Je crois que c'est un labyrinthe. Genre, ils l'ont dit que c'est un labyrinthe, mais genre un vrai labyrinthe. Ah, je sais pas, ce serait cool, justement. Eh ben écoute, séparons-nous. Je vais à droite. Ok, bah moi, attends, il me dit d'aller là-bas, mais là-bas c'est sortir, non? Soui. Ah ah. J'ai un écran de chargement. Je vais voir ce qu'il m'indique. Où suis-je? Moi je suis ressorti, et j'essaye de trouver le point dont il parle. Parce que ça, je suis toujours dans Ebonstadmont. J'y suis toujours. Non, le truc il me ment, hein. Le truc qui me manque complètement. Ah si, je dois utiliser la rune ici. Là où je suis, donc faut que tu ressortes. Ah bien vu. Mais c'est bizarre, je suis pas dedans, je comprends pas. Putain. Mais où peut bien être ce module? Bon, je vais l'utiliser, je vais voir si c'est ça. La langue d'Ebonstadmont. Alors moi je suis tombé sur des gens qui font une quête annexe là et qui disent mais où est-ce que ça peut bien se trouver, quel peut bien être cet endroit. Moi j'ai invoqué un Billy et je t'attends pour lui parler. Putain, bien joué. Mais il faut que tu ressortes. Et je comprends pas pourquoi. Comment mais... ça il faut que je ressorte? Bah je suis ressorti, bah suis le truc de quête. Voilà. Justement le truc de quête après me... Ah oui d'accord. Là t'es à l'extérieur et là tu vas sur la droite, tu vas tomber sur moi. Oh là, j'ai un destrier blanc, je l'avais oublié, il est magnifique. C'est pratique maintenant, je vois ton live aussi. Ok, très bien. Oula, Misgate. Est-ce que tu as le compte Leythen avec toi? Ah, je me fais tirer dessus surtout par... Par contre, alors je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais ton jeu n'est pas fluide quand je regarde en live. Je suis mort. C'est normal. T'es mort? Oui, si t'arrives. Je me suis pris une conflagration d'Indrik à 25 000 PV. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui me frappe? Non, c'est Indrik, c'est le Pokémon là. Ah oui, mince. Très bien, j'ai pas fait attention. C'est bon. Bien joué. Bon, c'était une erreur bête de ma part, j'ai pas de regret particulier, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Est-ce que dans les items... Je suis toujours sur l'expérience. Ok, allons-y. La rune de l'éther. 3, 2, 1, clic. Allez, excusez-moi, je suis devant le PNJ. Ah d'accord, je le vois, ok. La rune fonctionne parfaitement. 3, 2, 1, go. J'ai l'impression d'être juste à côté d'eux. Je sens la puissante magie qui imprègne ces lieux. Je sens une influence d'Edric. Mais quelque chose de bien plus ancien que mon prince Mephala. Déjà, est-ce que tu as quelque chose à dire? T'as remarqué quelque chose de différent chez moi? Hein? T'as remarqué? T'as remarqué? Le gars qui est chiant, c'est pour ça. Que dois-je rechercher? Les notes du maestro disaient que ces paroles antiques étaient gravées dans une pierre massive. J'imagine que vous devrez vous enfoncer dans la forêt pour savoir où. Je ne peux pas traduire ces mots pour le maître des rites avant que vous n'ayez trouvé la pierre. Et comment souhaitez-vous que l'on trouve ce caillou couvert d'écritures antiques? Je ne suis pas guide touristique. Choisissez une destination et avancez. Attendez un peu. Les notes du maestro. L'un des passages pourrait nous aider. Une histoire de corbeau. Cela pourrait vous guider. Ah. Bon bah, je vais trouver la pierre. Reportez-vous au livre et utilisez à nouveau la rune lorsque vous trouverez de l'écriture antique. Oh, je me suis bouclé les cheveux. Même pas tu le remarques. Ah, je comprends pourquoi Valsirène t'a quitté. C'est rigolo, tu vois qu'il y a des sortes de moyens de voir quand il y a des changements sur un personnage, le PNJ le remarque, rajoute des petites phrases ou des machins comme ça. Il faudrait que ce soit scripté à mort, hein, mais... Yep. Et puis ce serait dangereux, hein, il fera qu'elle remarque. Que le rouge à lèvres me va délicieusement bien, que cette robe-ci a mes muscles, ce serait... Non, non, mais oui, mais... tiens, quelque chose a changé chez vous, ça vous va bien. Tu vois, un truc comme ça, tout simple. Qui reconnaîtrait qu'il y a eu un changement sur le... tu as le compte. Alors, il faut lire le blabla. Il doit apparaître, j'imagine, dans... Alors, dans quoi? Dans la recherche du grand maestro. Oui. Les corbeaux nous guident lorsque le chemin s'égare et que les arbres notre chemin barrent. 2 corbeaux pour commencer la quête, puis un seul pour poursuivre l'enquête. Mais ce n'est pas un ou deux qui ouvrent la voie. 2 corbeaux pour commencer la quête, puis un seul pour poursuivre l'enquête. Alors déjà, est-ce que tu vois un truc qui ressemble à des corbeaux? Oui, au-dessus des portes. Ah. Sur les arches, regarde, là il y a 2 corbeaux. Ils disent 2 corbeaux pour commencer. 2 corbeaux pour commencer la quête. C'est là. Bah alors. On est en combat. Ah putain, mais le ragondin! C'est un ragondin, ça, pour toi? Non, mais c'est mort! Voilà, ça meurt! Donc, maintenant que c'est mort... 2 corbeaux pour ouvrir la voie. Et un corbeau pour continuer l'enquête. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Là, un corbeau. Ouais. Hop. Ça sent l'arnaque. Et ensuite, ah bah Isoti. Et ensuite, c'est bon signe. C'est qu'on a trouvé le chemin. C'est ça. Et après, ça dit quoi? Ensuite, ça dit qu'il n'y a pas de corbac, que ni un ni deux ne révèlent l'enquête. Ah donc c'est peut-être plus. Ah là, il y en a 3 là. Attends. Bah, c'est peut-être ça. Hein. Je vais regarder l'autre. Il y a un autre passage par acquis de conscience. Et là, il y en a deux. Donc, ouais, non. C'est pas ça. C'est le 3. Okay. Voilà. Ah ah, le sanctuaire d'Ébonite. Bon, ça va, c'était pas très compliqué. Oui, c'était pas. Et puis, c'est pas. Un grand coup de trial and error, ça aurait pas été bien plus difficile. Hein. Je me souviens en avoir plus chié dans la forêt noire des Korok dans Breath of the Wild. Non, ouais. Ça va, moi je crois que j'ai pas trop galéré dans la forêt. Il m'avait fallu 1h30 moi pour comprendre que fallait suivre le. Ouais, voilà. 1h30 ça. Ah oui, ça le peut follet. Tu te fais attaquer par un spermatozoïde. C'est ça. On est... Attends, avance. Oui, vas-y. Un loup crépusculaire. Faut utiliser la rue. Ou un point de champion. Il a même tué un raton laveur. Oh non. Ah bah c'est un loup. Calmons-nous. Attends. Ah, il voulait ici. Ici, il faut utiliser la rune ici. Où je suis. Remonte. Ouais, c'est ce que t'as trouvé. Hop. Ah oui, très bien. Utilise. Ok, très bien. Vous avez trouvé l'inscription. Toi. Ah bah. Attends, non, il parle tout seul. L'inscription n'est pas loin. Je sens autre chose, cela dit. La présence de Nocturne. Ah merde. Ah. C'est tout. Bon bah c'est bien, c'est un bon indice, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Oui. Ah bon. Oui, on va tous prendre. Là il y avait un corbeau à Nocturne. Voilà. Voilà. Nickel. Le ménage est fait. Donc, dans les caisses, regardons à l'intérieur des lits, des sacs à dos, tout ce que tu veux. Tu veux combattre les spermatozoïdes ou on passe sur le côté? Non, on passe sur le côté, allons-y. Attends, je me suis dit, ils vont peut-être nous aggro. Ouais, ils vont nous aggro. Ouais. De toute façon, c'est des spermatozoïdes, vous pouvez pas faire grand-chose. Parfait. Ah, t'es carrément allé en bas. Non, tu reviens. Ouais, mais je suis parti aggro tout ce qui bouge en fait. T'as bien fait. Je sais que les AE ont un nombre de cibles maximum dans le jeu, mais je sais plus combien. Aucune idée. Moi j'ai l'impression que mon AE elle touche tout le monde, hein. Y a pas de discrimination. Après c'est peut-être beaucoup plus, hein. C'est peut-être 12, tu vois, c'est peut-être pas du tout. En même temps, si t'es entouré de plus de 12 mobs, il s'est passé des choses. Ah, après, quand tu farmes les mobs et que tu vas faire... Ouh, une lustrène! Oh, c'est cool, ça! C'est tellement classe, tellement rare dans Skyrim ou dans les autres jeux ou dans tout ce que tu veux. Tellement appréciable. Bon, d'habitude, elles sont plus à poil. La foi! Ah, ça s'est bien passé. Très bien. Donc voilà. Petit exorcisme. Là, il y a une statue. Ça dépend des armes. La pluie de flèches n'a pas de limite, par exemple. Ok, donc il y a bien des trucs sans limite. Ah merde, c'est un joueur. C'est un joueur. N'agresse pas le joueur. Oups, pardon. Bah, il faut utiliser la rune. On y va ? Allons-y. L'inscription antique. Vous l'avez trouvé. Ah ah. Ouais, c'est pas normal. Je sens. Notre lien interrompu. C'est le compte de Nocturne. Ah, la Discord qui plante. Maintenant que Leythen est parti, nous pouvons discuter librement. La comtesse Tundilwen, on lui parle? Elle est où? Ah, elle est là. Ah, fais voir son design. Ah, un beau costume de Nocturne, effectivement. Bah écoute, c'est quand tu veux. 3, 2, 1, go. Ces mots de pouvoir ne sont pas destinés au regard des mortels. En tant que comtesse de la cour du saccage, je peux vous assurer que Leythen n'est pas totalement honnête avec vous. Ouais, mais vous êtes... Enfin... Je t'en prie. Non, vas-y si tu veux. Bah, mais vous êtes comtesse de la cour du saccage. Pourquoi devrais-je vous croire? Je désire conserver l'équilibre au sein de la triade d'Edric. Si Leythen traduit ce langage et transmet le secret à sa maîtresse, Mephala, elle y trouvera un avantage qui pourrait menacer mon prince, Nocturne. Mais j'en ai rien à foutre, je ne vis que pour l'exécution sommaire de vos trois entités. Enfin bon, on dirait que la triade des princes Dédra est encore moins unie qu'on ne le pensait. Spéculez si cela vous amuse. Oh. Je viens vous faire un cadeau. Nocturne veut que je vous révèle le sens de ses paroles antiques. Il est dans notre intérêt que le maître des rites se rappelle où il a caché le cœur de la loi transparente. Bah, dans ce cas-là, non. Aborte mission, tu vois, dans ce cas, on a gagné. Tu vois, c'est pas... Non ? Ouais. Non, bon, bah, je comprends pas la logique. C'est pas grave, voilà. Pour la suite du RPG, que signifient ces paroles, madame ? C'est la phrase que le maître des rites entend en boucle. Un sort pour récupérer un objet caché. Trop utile ! Lorsque le moment sera venu, il suffira de prononcer cette phrase et la cachette du cœur sera révélée. Genre si t'as perdu tes clés. Oh. Pourquoi Nocturne ne récupère-t-elle pas le cœur? Ma maîtresse ne se confie pas à moi. Et elle ne le fera certainement pas avec vous. Je suppose tout de même que si le cœur a été caché par le maître des rites, seul le maître des rites pourra le récupérer. Il est très connu de Nocturne que la seule chose qu'elle révèle, c'est... ben, son manque de vêtements flagrant et pas ses pensées. Mais vous saviez exactement où et quand me contacter, comment est-ce possible? Arteum se coupe volontairement du monde. La perle abyssale a permis aux Slod des mers et à Mephala d'envahir l'île psychique. Puis vous avez capturé Leythen, un comte de la cour du saccage. Nous savons ce que vous faites avant que vous ne le fassiez. Mais ce que tu m'as dit est une suite d'événements que tout le monde connaît, mais c'est absolument pas une preuve que tu sais ce que je vais faire, si? Non? On sait... Non. Oui, non, enfin voilà. Toute cette conversation m'a l'air foireuse. J'ai Bethesda, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Dans tous les cas, alors, ça fait qu'on a l'impression que nous, on est hyper crédules et qu'on nous dit trois trucs et on achète tout ce qu'on nous dit, quoi. Ah bah, utilisez cette pierre de vision. Ça me permettra de voir à travers vos yeux quand vous en servirez. Et ça fait quoi? Rien de méchant. Vous pouvez me faire confiance totalement. C'est rien, Billy. Bon, qu'est-ce que la triade des princes d'Edra espère accomplir? Nos princes comptent éliminer les lois imposées par d'autres puissances. Ils veulent refaçonner Nirn, pour mieux l'adapter à leur goût. Ouais, bon bah... Bien sûr, pour cela, il faut écarter des obstacles, comme les autres princes d'Edra. Bon bah, c'est à peu près ce que veulent faire tous les princes d'Edric, hein, globalement. Ouais. Sauf certains, mais tu vois, dans l'idée, c'est à peu près ce qu'ils veulent faire les plus agressifs. Et ah oui, tu te souviens, on parlait des sbires. Les sbires qui ont une protection dentaire, qui ont le droit de vivre dans un monde qui est détruit, tu vois. Qui ont enfin le droit à une sécurité sociale alors que le pays est en flammes. Ça me fait sourire, mais du coup, qu'est-ce que la cour du saccage y gagne? La cour n'est pas maléfique. Nous n'aurions pas participé à un plan qui ne servait pas l'intérêt commun. Lorsque nos princes auront fini, la guerre et la maladie seront éradiquées. La paix sera belle et bien réelle, et la cour accédera à la divinité comme il se doit. Oui, enfin, c'est ce que n'importe quel truc autoritaire va dire. Bah non, on n'est pas maléfique, voyons. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si Nocturne, Mephala et... merde, c'est quoi? C'était Clavicus Vile. Clavicus, voilà. Sont les trois Dédra qui dominent et gouvernent le monde. Aucun n'est l'aspect de la guerre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Imagine Pyrite. Pyrite, par exemple, qui est le Dédra de la médecine, mais aussi de la maladie purulente, du pu et tout ce qui est dégueulasse. Si lui n'a plus aucune influence sur Nîmes, il n'y a plus de maladie, techniquement. Ça enlève le concept. Hein. C'est comme t'enlèves Raiden de la Terre, il n'y a plus de la foudre. Tu vois, c'est God of War. Le truc, c'est que... il reste du coup Mephala, Nocturne et Clavicus Vile. Clavicus Vile, c'est les contrats du charisme et de la traîtrise. Mephala, je sais pas ce qu'elle fait, je sais pas ce qu'elle a comme aspect. Je sais que Boéthia, c'est la trahison de tes potes. C'est là-dessus qu'elle s'excite, tu vois. D'ailleurs, ton arme devient plus puissante si tu trahis des amis chers, tu vois. C'est le principe. Non mais c'est Boéthia, tu vois, c'est son kiff. Mephala, je sais pas ce qu'elle fait. C'est la tisseuse de la toile, donc il y aurait des araignées partout. Les secrets, Mephala, on me dit. D'accord. Et Nocturne, c'est les ténèbres, c'est l'ombre, c'est les voleurs, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, Mephala, le meurtre, le sexe et les secrets, d'accord. Donc en fait, on serait dans un monde où tout le monde est très charismatique, se trahit, vit dans les ombres et les secrets, et dans des orgies constantes. Ouais. Du coup, c'est la cour de Louis XVI, la cour de Louis XIV si tu veux, tu vois, ou la cour d'Henri VIII, tu vois, en fait c'est un peu ça. Donc je me dis, techniquement elle a raison, hein, la guerre et la maladie seront éradiquées. Bon, pas les MST, les MST par contre je pense que... Je pense que voilà. Donc techniquement... J'ai pas convaincu là. Moi non plus, mais comment dire, il y a... Voilà quoi. Et on me dit que c'est Mephala qui te donne la lame des bonites dans Skyrim. Il me semblait qu'elle te donnait la côte des bonites. Et que c'était bel et bien Boéthia qui te donnait la lame des bonites. Ou alors j'inverse, mais bon, c'est pour ça, c'est pour ça. Enfin bon, c'est pour ça. Dans tous les cas, voilà. Comment avez-vous été impliqué dans tout ce bordel? Je suis une elfe noire, une enfant perdue de Morrowind. J'étais presque écrasée par la colère et le désespoir jusqu'à ce que Nocturne vienne me réconforter. La maîtresse de la nuit m'a donné une nouvelle raison de vivre, un nouvel idéal. Mais tous les autres membres de la cour du saccage sont des hauts elfes. C'est vrai. La cour est essentiellement composée de hauts elfes qui pensent que leur ascendance les rend déjà quasi divins. Mais je ne suis pas aussi naïf qu'eux. Nocturne m'a choisie comme comtesse. Elle m'a appris que la loyauté était le vrai chemin de l'ascension. Et ma loyauté est forte. Bon, au revoir. Au revoir. Bon. Alors on me dit que la côte des bonites c'est Boéthia et que c'est Mephala avec l'épée de la trahison. D'accord, bah mes excuses. Ça faisait très longtemps. C'est bon. Prévenez le maître des rites. C'est un sort de récupération. J'ai rétabli mon lien avec la rue. Allô? Dites-moi ce que le comte de Nocturne vous a appris. C'est bon? Vas-y, c'est quand tu veux. Go. Je n'arrive pas à croire que la comtesse de Nocturne soit intervenue ainsi. Nous étions censés être alliés. Pourquoi m'a-t-elle empêché de lire cette ancienne inscription? La comtesse de Nocturne a dit que cette phrase antique est un sort. Un sort? Intéressant. Et sans doute lié à la cachette que le maître des rites a oubliée. Je me demande pourquoi Nocturne a décidé de nous communiquer ce renseignement. En général, ce n'est pas le prince le plus aidant. La comtesse de Nocturne a aussi dit que vous informiez la cour du saccage de nos plans. Bien sûr. Je leur ai dit d'interrompre mes recherches avant que je ne puisse déchiffrer une langue antique et puissante. Écoutez, merci, vous devriez revenir à la tour de Sephora. Le maître des rites veut entendre tout ce que mon acolyte vous a dit. Et franchement, moi aussi. Mais il vient d'avouer qu'il était encore en contact avec la cour du saccage. Je comprends pas, oui. Oui. On vient de lui dire, oui, tu es encore un informateur de l'ennemi. Mais oui, bah oui, alors. Oui, bah oui, parce que voilà, parce que vous vous rendez compte, emprisonné sur cette île, avec pour seule présence ma femme qui tente de se réconcilier à cause de la mort de notre fille aimée mutuelle. Rendez-vous compte, la torture. Je ne comprends plus la quête. Moi non plus, c'est pas grave. Bon, on rentre à RTO, mais on va distribuer des patates. On va distribuer des patates et du rouge à lèvres, ça va bien se passer. On va étudier cette inscription dans quelques instants. Bon. Par contre, du coup, là, si on veut rentrer... Attends, il y a peut-être une sortie en haut. Par contre, je regarde ton personnage et je me dis, du shampoing, ce serait pas du luxe. Ils sont très propres, mes cheveux. C'est un style. Propre, oui, mais les lissés, ma chérie. Zup. Très bien. Le cerveau de Krayn et Bob qui fondent, c'est un peu ça. Ouais. Ah bah oui, mais là, pour le coup, j'avoue que... Mais ils sont en train de nous mind-gamer, en fait, je comprends pas. Il y a Giz qui dit que c'était de l'ironie, en fait. Que Leythen, il ironisait. Oui, oui, bien sûr, je leur raconte tout ce que je fais toute la journée. Ouais, mais... Non, c'était peut-être de l'ironie. Non, bah... Pourquoi j'ai ça qui souffle? Toi aussi, t'as le truc, le magasin qui souffle quand tu sors? Pour l'instant, j'ai rien du tout, là. Chers amis, nous sommes à nouveau libres et plein d'espoir, d'entrain, avec des gros plans absolument sublimes. Oh là là, cette tête qu'on tirait. Et un style. Ah là, on a le pur style. Et c'est l'heure d'ouvrir une caisse. Allez, vas-y. Ah, tu veux ouvrir une caisse? Bien sûr, je veux ouvrir la caisse. Toujours une caisse. Alors, j'ai que des caisses au Roboros, moi, qui me reste. Bon, bah, allons-y. Caisse au Roboros. C'est parti. C'est parti. Et la caisse. La caisse. Soit. J'ai même pas de bleu, j'ai rien. Ah non, mais les caisses au Roboros, c'est... Ça fait des gemmes à couronne après. Bon, bah, mais tu peux avoir des petits trucs sympas, genre tu sais qu'augmente la monture. Ouais, j'en ouvre une deuxième. Allez, on ouvre la deuxième. J'ai foi. J'ai plus que ça après, j'aurai plus rien, mais ouais, y a rien. Et de la merde cosmique en long, en large, en travers. Oh là là! Qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qu'il a eu? 4 fois la même chose. Ce fou. Mais c'est joli. C'est joli. J'avoue. C'est assez joli. C'est quand même impressionnant. Comment on fait pour convertir en couronne les machins? Mais attends. Tu fais retour, tu vas dans le truc pour ouvrir les caisses et tu fais caisse. Voilà, j'ai fait un carré. Voilà, très bien. Oh, il me reste 4 caisses psychiques. 4 caisses psychiques. T'as combien de gemmes extraites? De gemmes? Combien de gemmes j'ai, tu veux dire? Soyez le bienvenu. Combien de gemmes j'ai? Bonne question. Ouais, j'ai 291 gemmes quand même. Hein. Ah, c'est pas mal. C'est 400 pour les grosses montures. Mais sinon, t'as plein de trucs beaucoup moins chers. Alors, on me dit dans les récompenses de caisse à couronne. Pour 400, ouais, pour les grosses montures, c'est 400, légendaire. On me dit que je veux trouver du rouge à lèvres. Alors, mille excuses. Comment ça? Il y a du rouge à lèvres dans les caisses à couronne. Il faut que je le trouve. Dans les... ah, calotte à roue flaquette, calotte à roue, ensemble de distinction exaltée. Alors, caisse à couronne. Récompense courante, non. Belle récompense, non. Récompense supérieure. Diadème. Non. Récompense. Alors il y a des boucles d'oreilles magiques, mais c'est difficile à voir avec. Si dans quoi tu vois magie, ça je les ai. Après légendaire. Non, ça doit pas être ça, j'ai pas dû aller. Peut-être pas là qu'il faut regarder, je sais pas. Je regarde. Regarde les récompenses qui s'achètent en gemmes, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Motif artisanaux bien donné, tatouage facial de l'aigle royal. Tatouage faciaux du flot de la magie. Tige nasale à magie, non. Évidemment, hein, tout ceci me paraît essentiel, braves gens. Pense courante. Non, j'ai pas trouvé le rouge à lèvres, malheureusement. Non, il n'y en a pas. Hein. Pas de chance, hein. Pas de chance. Hein. J'ai que le fard à paupières, mais j'ai pas le rouge à lèvres. Tant pis. Hein. Bon, c'est pas grave, on a pas tout perdu, on peut continuer la quête, allons-y. Il faut retourner ah oui, il faut retourner à... Oh la vache, attends, il y a un griffon là. Un gentil petit griffon. Gentil? J'ai rien demandé à personne. Ah, il se casse! Reviens là, saleté! Ah, de l'autre côté, mais il y a personne. Lui, je sais pas ce qu'il a attaqué, il s'est senti agressé par un caillou. Et j'ai changé d'arme, j'avais pas vu. Je comprenais pas ce que je faisais. Alors, du coup, est-ce qu'on peut aller juste au geyser abyssal de Réantil qui est juste à 100 mètres plus loin sur la route? C'est où ça? Ah oui, si tu veux. C'est sur la plage en fait, c'est le voir fameux event. Ouais, fameux event qu'on n'a jamais réussi à avoir. C'est tellement joli. Ouais. C'est là. C'est vers là. Il n'y a personne qui attend, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose. Il n'y a pas l'air d'avoir un événement ici, hein. Pourtant... On l'avait pas fait ça la dernière fois, on s'était battu contre le... Non, on n'a rien fait ici. Hein. Non, hein. Est-ce que c'est long de repos? Est-ce que c'est pas long? Je ne sais pas. Il y a quelqu'un derrière. Je ne sais pas. Qui nous suit, ça. C'est tristesse et déception, malheureusement. Hein. Mais bon, c'est pas très grave. Du coup, Arteum. C'est comme les angles, on me dit. Attends, je vais juste voir. Faut juste attendre. Les angles. Après, ouais, la question... Oui, les sangles, tu sais, les trucs qui tombent avec les... Donc ça arrive toutes les 10 minutes à peu près, c'est dans ces environs-là. Ouais. Bon, bah, déjà, c'est un bon signe, il n'y avait personne, donc ça vient pas juste de se terminer, mais... Après, bon. Je sais pas du tout tous les combien. Idéalement, est-ce qu'il y a un coin à pêche? Tu veux pêcher? Ah, écoute, s'il y a moyen de voir le truc, peut-être, mais... Sympa, ouais. Oui, pour ça, mais je cherche s'il y a quelque chose d'intéressant à faire en attendant, parce que sinon on va pas juste s'éventer, s'envoyer de l'eau dans les... Non, ça c'est juste un caribou. Non, malheureusement, pas de chance. Pas de créature. Regardez ici. Écoute, moi je retourne à Arteum. Hop. Bon, il est où le... Tu te TP comment? Je me TP directement? Je me TP. Bon bah je vais me TP sur toi là. Voilà. Tu me dis quand c'est bon. Tout va bien. Ça charge. Alors, braves gens, j'ai déjà le rouge à lèvres, mais le problème, c'est que je ne peux pas l'appliquer en même temps que je peux appliquer le fard à paupières. On doit bien avoir un truc avec les deux. Hein. Ouais, je suis sûr. Ce serait fabuleux. L'autre, il avait du rouge. Non, on fait un petit retour à Bethesda, dans les trucs importants. C'est ça, les trucs importants, c'est mettez du rouge à lèvres bleu. Voilà, il n'y a pas de... Ça me paraît essentiel. Absolument. Un petit chargement essentiel. De l'infini là quand même. Hein. Oui ben tu me connais, hein, moi c'est les temps de chargement. C'est pas. Je le vis bien. Ah des fois tu charges plus vite que moi, ça dépend. Rare, c'est parce que j'ai fait charger plus tôt généralement mais. Boum pidi boum pidi boum. J'aurais pu aller au TP. Ça y est, j'ai popé, donc tu peux suivre. Ah nickel. En attendant, je vais en profiter pour suivre et vérifier dans les cosmétiques. Je m'étonne qu'on finira jamais la quête principale. Ah non mais on y croit hein. On y croit hein. Tu n'oublies pas de t'hydrater pendant le live Bob. Je n'oublie pas. Ouh attends. Tatouage ronceuil à la pierre précieuse. Mais ça me rajoute pas de rouge à lèvres malheureusement. C'est vrai qu'un tatouage j'aurais pu hein. Bon après c'est merveilleux hein. Après je suis merveilleuse avec donc y a pas de mystère tu vois. Et je peux avoir droit à des cils noirs ou les cils bleus aussi hein, mais les cils bleus sont juste inguacables. Hein. Absolument. Oui Joseph Steph Lewis, c'était mon c'est comme ça que je faisais en PVP donc j'ai gardé l'habitude. Alors... Petite tenue d'été fraîche. Absolument irréprochable. Absolument irréprochable. Bon. Du coup, si toi t'es apparu et que t'es monté dans la tour de... C'est bon, ouais, je suis dedans là. Eh ben, j'arrive. Je cherche le maître des rites qui est là-bas. Ah! J'essaye de lire... Mais c'est pas par là. J'essaye de lire le chat en même temps que de me déplacer, du coup je marche dans les murs. Un grand classique. Ah non. Ok, je suis devant. Ah mais braves gens, pour moi, c'est l'étalage d'une virilité absolument obscène. Des muscles impressionnants sous une robe. C'est-à-dire quand le mec est tellement viril que plus personne le questionne. C'est comme Freezer qui met du rouge à lèvres, si tu veux. C'est-à-dire, le mec, il a un power level de 10 milliards, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est vrai. Mais à un moment, qu'est-ce que tu veux faire? Le mec, il met du rouge à lèvres. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Tu veux lui dire non, mais pas du rouge à lèvres. ça fait tarlouse. Tu vas te prendre un rayon de la mort dans la tête, tu vas rien pouvoir faire. Tu vois. Le mec, il veut mettre du rouge à lèvres, il met du rouge à lèvres, c'est tout. C'est un moment, voilà. C'est Freezer, c'est Freezer. Dois-je vous enchaîner pour vous rappeler votre statut ici? C'est un méchant que j'ai mis du temps à apprécier, Freezer. Et avec le recul, je trouve que c'est l'un des méchants les plus méchants de Dragon Ball Z. Mais bien sûr, c'est parce qu'il apprécie ce qu'il fait. Et pire que ça, il est compétent quand il doit gérer un empire. Par contre, dès qu'il se bat contre les Saiyans, ça devient Gargamel contre les Schtroumpfs, si tu veux. C'est le seul défaut finalement. Mais pour le reste du temps, oui, c'est pour ça. Mais bon, du coup, par contre, moi j'aime bien Yachesis qui est là. Silence, Leythen, dois-je vous enchaîner pour vous rappeler votre statut ici? De quoi? Non, rien. Il s'engueule avec Leythen en lui disant tais-toi, est-ce qu'on doit te mettre des chaînes pour que tu te souviennes que t'es un prisonnier? J'aurais peut-être dû commencer par ça, tu vois, je veux dire, je veux pas, mais enfin bon, attends une seconde. Tu vas pas nous obliger à te mettre vraiment dans une prison pour te faire comprendre que t'es prisonnier, voyons. Voilà, c'est pas. On va pas en arriver jusque-là. On est prêt, on lui parle quand tu veux. Allez, 3, 2, 1, go. Votre petite escapade aurait pu tourner au désastre. Vous n'avez donc pas réfléchi, Oriandra et vous, lorsque vous avez confié la traduction de l'ancien langage à Leythen. Mais ce serait... aucune de vos découvertes n'est fiable. Nous revoilà à la case départ. Mais ce serait rigolo comme concept. Imagine les gens qui se font condamner, au lieu d'aller en prison, on leur dit eh ben voilà, maintenant tu es en prison. Et puis moralement, ils sont démontés. Tu vois, ça n'a rien changé à leur vie. Mais ils savent que voilà, ils ont été condamnés à la prison. Et voilà. Ce serait un super pouvoir, ça. T'as le super pouvoir de la maîtresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux envoyer quelqu'un au coin. ça. Et il a... Non, je suis pas sur un carreau. Pas le coin, s'il te plaît. Au coin. Et tu joues pas. Tu t'amuses pas. Au coin. Non. C'est dégueulasse. Et du coup voilà, par contre l'autre il s'énerve. Vous vous rendez compte? Vous avez fait avancer l'enquête en utilisant tous les moyens à votre disposition. Ça aurait pu tout faire foirer. Rendez-vous compte. Ce prisonnier que j'enchaîne même pas, il aurait pu vous donner des fausses infos. Mais excuse-moi, Yachesis, est-ce que tu veux bien aller niquer ta mère? Genre fort, parce que je rappelle, non mais je rappelle, tout est de ta faute. C'est pas sa faute, il fait contrôler. Tout. C'est pas sa faute. Et... c'est une victime aussi. Je vais affronter cette créature qui est spécialisée dans le contrôle mental. Ah ah, j'ai gagné. Et même que j'ai gagné au loto. Et je suis rentré chez moi sur ma luge d'or. Oui, ces souvenirs sont fiables. Des coups de genoux. Des coups dans le plexus, des coups dans la ceinture. Tu vois les parties. Non mais déjà, c'est un haut elfe. Donc niveau égo ça va, et en plus il est membre des psychiques tout ça, donc tu crois qu'il ne croit pas le meilleur de tout à chaque fois qu'il fait un truc. Krayn. Quoi? Discernerais-je une pointe de racisme? Ah bah non justement, je leur reproche de leur attitude qu'ils sont à la base. C'est eux les gros racistes. Hein. Attention, à force d'aller à gauche, tu vas faire le tour et arriver à droite. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ok. Le conte de Nocturne assure que la phrase dont vous vous souvenez est en réalité un sortilège. Un sortilège qui révélera l'emplacement du cœur. J'ai observé ce que je pouvais grâce au lien de Leythen. Mais il me semble que la cour du saccage fait de son mieux pour nous égarer. Qu'en dites-vous? Devons-nous nous fier au conte de Nocturne ou pas? Les deux choix. Voilà. Est-ce qu'il faut faire confiance à la cour du saccage ou pas? Eh ben, c'est quoi ce choix? Non mais à quel moment tu leur fais confiance? Tu peux dire bon bah on va tenter, tu vois, on va voir, mais tu peux pas, ouais, je sais pas. Au contraire. En fait, leur faire confiance, t'as rien à y perdre. Mais de mon point de vue, hein, donc ça va être... voilà, je suis seul dans ma tête. Donc moi, je sens l'arnaque de... ils peuvent pas récupérer le cœur directement, donc il veut qu'ils le retrouvent pour le choper sur lui juste derrière. Oui, c'est ça, mais en fait, on a tout gagné. Parce qu'en fait, soit ils nous disent la vérité, et dans ce cas-là, on a tout gagné. Soit ils nous mentent, et dans ce cas-là, ils vont apparaître devant nous pour tenter de choper le cœur. Ce qui nous permet de les exécuter sommairement. Ah, c'est peut-être un excès de confiance, ça. Ah, j'entends une maudite. C'est un excès de confiance, un excès de confiance. Attends, 2 secondes. Marque un point. Maudit, tu m'as parlé? Excès de confiance. Alors que je suis en live avec Bob. Du mascara bleu fluo, un casque. Une robe. Il me parle d'excès de confiance. Il m'a dit qu'il vient de rentrer. Tout va bien. Tout va bien. Donc moi je suis pour. Parce qu'en fait, soit c'est pas un piège, dans ce cas-là on a tout gagné. Soit c'est un piège, dans ce cas-là tant mieux, tu vois. Ouais. Et puis, si c'est un piège, les seuls qui vont vraiment en souffrir, c'est les PNJ. Et de là où j'en suis, personnellement, le seul avec qui je me suis lié vraiment d'amitié, c'est Leythen, si tu veux. Ouais. Et c'est mon ennemi, donc c'est pour te dire la qualité de nos alliés. Tu vois, donc quelque part, Mais d'un autre, moi, ce qui m'embête, c'est que je suis d'accord avec ce que tu dis, mais le premier dialogue... enfin, il faut quand même... tu prends pas pour argent comptant, quoi. Tu dis, bah, on va tester par rapport à ce qu'ils disent. Et comme tu dis, on a tout gagné, qu'ils aient raison ou tort. Oui. Le deuxième, ça fait un peu... bah, moi, ce que je dis, c'est que Valsirène, qui est à peu près la seule perso qui est à peu près aimable, pardon, que tu peux aimer, je veux dire, dans les protagonistes qui sont censés être tes alliés, on vient d'apprendre que par désarroi, désespoir et incompétence, elle a abandonné sa fille à mourir pour se plonger dans son travail, ignorant les appels et les cris d'une petite fille malade en larmes. À un moment, moi je suis pour Leythen si tu veux. Vive Mephala. Tu vois, je me dis... à la fin, Leythen, il va se sacrifier parce qu'il sait qu'il aurait fait des choses qui sont pas bien. Et puis voilà. Non mais à un moment, je veux bien qu'on gagne, mais je veux couler l'île. Genre l'île d'Arteum, tu vois, je veux qu'elle coule, je veux qu'elle fasse Atlantis, tu vois, je veux que ça fasse... Bah arrête, après où iront les gens en prison, quoi. C'est quand même... D'accord. D'accord, cet argument t'a fait gagner, je suivrai ton choix moral, prends celui que tu veux. Non, non, mais toi, tu voulais le 2 tu préfères le 2 non, non, si tu voulais le 2, moi ça me va, les deux. En fait, c'est que le 2, c'est que soit on gagne, soit on augmente les risques et donc on augmente la baston. Et donc moi, j'aime bien. Vas-y, on va faire le 2. Ok. Ils veulent que vous trouviez le cœur de la loi transparente. Je pense que le comte m'a dit la vérité. Je regrette de le dire, mais je suis d'accord. Oh, le clan! Une fois que nous aurons récupéré le cœur, nous devrons l'empêcher de tomber aux mains de la cour du saccage ou de leur prince. Darien est dehors. Allez lui parler et retrouvez-moi à la caverne du rêve. Je vais aller parler à Darien. Peu importe si la comtesse de Nocturne dit vrai ou pas, nous devons mettre la main sur le cœur de la loi transparente. Je suis sûr de l'avoir caché quelque part, au-delà de la barrière d'Edric. Vous vouliez parler d'autre chose avant d'aller voir Darien? Oui, nous devrions peut-être laisser le cœur de la loi transparente dans sa cachette. Ce serait une erreur, mon ami. Connard! Les défenses antiques du couchant s'étiolent depuis que le cœur a quitté la loi transparente. Chaque instant que la tour reste incomplète, une autre protection s'abat. Et si ce n'était qu'un piège complexe pour vous pousser à dévoiler cette cachette? C'est certainement le cas. Ah, au moins il est lucide, ça va. Le savoir nous donne un avantage. Vous serez avec moi lorsque nous trouverons le cœur. Et vous pourrez m'aider à le défendre contre la cour du saccage. Tu vois, il a le même avec toi. Ou, pour protéger le monde, l'univers et l'existence de Nirn et de ses habitants, consentir au sacrifice de l'île d'Arteum. Et peut-être déplacer les psychiques. Ouais, mais il y a peut-être... Enfin, peut-être qu'elle est nécessaire à l'équilibre de beaucoup de choses en dehors aussi, je sais pas. Il va y avoir une explication, genre TGCM, ça, un truc comme ça. Ça me paraît bancal. Ouais. Parce que. Mais bon. Dire c'est pas une tour, c'est pas une, C'est quand même un endroit très particulier. Mais quand je dis une tour, je parle d'une des 8 tours, tu vois, les 8 tours, les 8 piliers sur lesquels le monde se construise. Donc c'est pas un pilier, à ma connaissance. Si, c'est peut-être un pilier. Non, c'est pas un pilier. C'est pas un pilier parce que. Il y a peut-être des gens qui vont pouvoir nous répondre sur le chat. Peut-être, on ne sait pas. Mais à la réflexion, je vois pas. Dire, c'est dommage, c'est sûr que ce serait dommage. Mais bon, le monde, la bibliothèque d'Alexandrie, tu vois. Le monde, la bibliothèque d'Alexandrie. C'est pas Arteum qui est en danger, c'est l'île du couchant, on me dit. Ah, l'île du couchant. Ah oui, mais c'est des elfes, on n'a rien perdu. Tu vois, Mais voilà, faut pas exagérer non plus. Ça c'est raciste. Oui, mais moi c'est assumé. C'est ça. C'est ça la différence. Bon, écoute. Fine. Au revoir. Au revoir. Très bien. Bon. Ça les amuse. Allez, allons voir Darien Gautier. Attends, je vais mettre une vraie... C'est ça, je vais mettre une vraie armure, j'arrive. Voilà, parce que... Allez. J'y vais avant, et puis quand il me pose une question, je dirais Bob se change. Vas-y. Alors, par où est-ce? C'était quand même très bien avec tes yeux qu'on voyait au travers et la posture. Oui, j'avoue, le casque, mais juste enlever le casque pour les cheveux. Alors, du coup, j'avance vers le PNJ parce que le cœur de oh là là, ça va te plaire. Ou ça. Le cœur de l'esprit changeant, ou le cœur du machin changeant, je sais plus quoi. Il alimente l'île d'Arteum, c'est cool. Mais l'île d'Arteum, c'est pas une tour. Ouais, mais on serait pété. Tous les plans tombent à l'eau si la tour de cristal tombe. Ah oui, c'est vrai. Disparu. Oh, le viril! J'ai toujours guéri vite, Val. Je peux vous appeler Val, n'est-ce pas? Oh là là! Ça n'a pas duré longtemps. Un instant, j'aimerais discuter avec notre ami. Oh la drague! Bien sûr. Ensuite, allez dans la caverne du rêve. Le maître des rites est prêt. Quelqu'un qui vient lui parler, attendez, je fais mes pompes. Valsirène, du haut de ses 7800 ans, le biscuit qui devient humide, la vitesse, cet homme. Oh là 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 là. Attends, une seconde. Là je... Attends, excuse-moi. Voilà, c'est bon, je suis prêt. Vas-y, c'est quand tu veux. Magnifique, 3, 2, 1, go. Je voulais vous remercier à nouveau de m'avoir tiré du domaine de Mephala. Ce n'était pas du tout comme je l'aurais imaginé. Oh, et j'ai pu réparer au Béclat. Le pouvoir de l'épée devrait nous permettre de traverser la barrière. C'est vrai, Mephala. Bon, sa représentation, c'est une araignée. Oui, mais déesse du... Enfin, déesse, tu m'as compris. Des secrets et du sexe. Ouais. Moi j'ai vu les secrets, j'ai pas vu le sexe si tu veux. Après c'est quelqu'un du chat qui l'a dit, est-ce que c'est sûr, on est sûr que c'est ça? Oh bah il a dû piffer sur le wiki tu vois, et ça me paraît logique parce que t'as bien Molag Bal, maître de la glace et du viol, et du tourment et de la torture. Tu vois. Ouais tu vois, il y a des trucs qui vont peut-être moins mettre dans le jeu aussi. Ouais mais... Ouais, mais c'est comme le moitra, ça, tu vois, c'est dommage. C'est dommage parce que ça fait partie de la beauté du lore, à mon humble avis. C'est comme le lore hindou, c'est où il y a des dieux, c'est des hommes avec des têtes d'éléphants, et c'est les princes de la luxure, du soleil, de la médecine, de la gangrène, de la mort, et du papier mâché, tu vois, parce que c'est, ouais. Voilà, et que c'est au pif, et qu'il est né de la propre mort parce qu'il s'est auto-conçu avec sa mère, et qu'il a ensuite éventré un loup gigantesque qui volait dans le firmament pour vomir sur un bœuf qui a pondu un œuf, et il est né de cet œuf, tu vois. Tu sais, c'est indien, quoi. Enfin, tu sais, voilà, c'est au pif. Moi j'aime bien ces trucs comme ça, c'est pour ça. Enfin bon, je t'en prie. On dirait que vous allez mieux, vous avez l'air en forme. Ce n'est pas grâce aux guérisseurs psychiques. J'ai cru qu'ils allaient m'ouvrir de la gorge au nombril pour comprendre ce qui me rend aussi unique. Mais je suis content de vous voir. Je voulais vous remercier en privé. Monsieur Gautier, vous n'y pensez pas. Et de quoi voulez-vous me parler en privé? La question va paraître étrange. En fait, selon votre réponse, ce pourrait bien être une vraie question bizarre. Vous vous souvenez de moi? Je ne parle pas d'ici, au couchant. Ailleurs. Bien sûr que je me souviens. Ah, toi, tu as peut-être pas le même dialogue. Si, c'est le même dialogue que moi. Ça ne dit pas que je me rappelle, non. Moi, j'ai bien sûr que je me souviens de vous, j'ai cru vous avoir perdu à Havreglace. Ah bon? Moi, c'est pas que je me rappelle, non. La première fois que je vous ai vu, vous portiez votre armure dorée. Écoute, fais peut-être le texte. Vas-y, on clique. Vous ne vous souvenez pas de moi. C'est bien ce que je craignais. Meridia m'a dit que le temps fonctionnait différemment en Oblivion, mais je ne la croyais pas. Ce qui m'est arrivé ne vous est pas encore arrivé. Peu importe pour le moment. Tout ce qui compte, c'est que... Et moi, là, j'ai alors vous n'êtes pas mort. Moi, c'est... on m'avait bien dit que le temps ne se passait pas pareil dans les plans d'Oblivion. Ce qui m'est arrivé ne vous est pas encore arrivé. Je vous ai déjà rencontré, mais pas vous encore. Donc c'est pas important. L'important, c'est voilà. Que je vous ai trouvé. Moi, je fais bah quelle importance que vous m'ayez trouvé. Non, moi c'était l'histoire avec Molag Bal, donc tu l'as pas encore fait. D'accord. Bah. Je ne vais pas te spoiler. Quelle importance. Et moi j'ai. Vas-y. Quelle importance que vous m'ayez donc trouvé. Meridia m'a parlé alors de vous n'êtes pas mort. Des princes Dédra. Et elle m'a parlé de vous. Elle m'a même demandé de vous aider à les vaincre. Bien sûr, elle a omis de me dire comment faire. Il ne répond plus à mes appels. Cela m'inquiète un peu. Et du coup? Là, vous dites que Meridia vous a confié une mission? Ah, moi c'est... Bah pourquoi vous me dites ça? Bah écoute, vas-y. Tu vas peut-être l'avoir celui-là. Vas-y, clique pour voir. On ne choisit pas toujours ses batailles. T'as cliqué? Oui. Mon prince... Elle est merveilleuse, mais guère portée sur le libre arbitre. Je tenais à vous rappeler que vous n'êtes pas inféodé à une puissance supérieure. Vous pouvez décider pour qui vous vous battez. Moi, j'ai allons récupérer le cœur. Ah, moi, il dit que Meridia lui a confié une mission, mais qu'il n'arrive plus à la contacter, que ça l'inquiète. D'accord, bah moi c'est... Et allons récupérer le cœur, j'ai eu ça aussi. D'accord, moi il me dit juste que c'est son prince, ou plutôt Meridia, qu'elle est merveilleuse, mais pas portée sur libre arbitre. Et qu'il voulait juste me rappeler que j'étais pas l'esclave d'une puissance supérieure, malgré le fait que Molag Bal détient toujours mon âme, moi, mais bon... C'est pas, vrai, c'est pas un souci, tu me diras, c'est mineur, hein. Qui a besoin d'une âme quand tu as des pectoraux aussi impeccables? Voilà. Allons récupérer le cœur. Réparer au Béclat fut remarquablement facile. Et en plus, je n'avais jamais réparé d'artefact dédrique auparavant. Et là, je crois qu'on a la même chose. Tout à fait, je t'en prie. Avant d'aller à la caverne du rêve, j'ai quelques questions. Des questions? J'espère que ce n'est pas un examen, hein? Des boutons. Mais oui, bien sûr. Que voulez-vous savoir? Juste un détail, on me dit par contre sur le chat que Mara, bon c'est la déesse de l'amour, mais c'est l'amour maternel ou matrimonial. Dibella c'est le sexe, mais le sexe sensuel, le sexe des plaisirs. Mephala c'est le sexe, mais c'est plus le sexe des fétiches, genre BDSM, kink et choses un peu qui se lient dans les secrets, le meurtre et les plots et complots, tu vois ce que je veux dire. Et bon bah Molag Bal, bon bah il a le bon vieux viol à l'ancienne. Et du coup voilà, donc ce qui fait qu'il y a plusieurs divinités du sexe, mais ce sont des aspects très différents. Et effectivement, entre Dibella et Molag Bal, si tu veux, il n'y a que le consentement qui les sépare. C'est ça le gag en fait. C'est pour ça. Donc effectivement, ils font bien de les diviser. Mais du coup, c'est vrai que si c'est la maîtresse du bondage, avec des toiles d'araignée partout, et que effectivement, lui, il était bondagé quand on a débarqué le Gautier. Tu sais, il était dans son cocon en fait. Ouais, mais c'est des cocons complets, ils peuvent pas faire grand-chose quand même. Hein. Oh bah, avec des pectoraux comme ça, ils peuvent regarder. Monsieur Gautier. Pardon, je t'en prie. Est-ce qu'il y a une question qui t'intéresse? Parce que je crois qu'on a fini. Moi, j'en ai qu'une seule, c'est vous n'êtes pas breton, n'est-ce pas? Moi, t'as pas, vous prenez toujours à moitié nu devant les inconnus? Ah non, bah sans doute parce que t'es une femme, en fait. Ah, c'est vrai. Alors que moi, bon, on va faire... Vas-y. Vous n'étiez pas breton, n'est-ce pas? J'aimerais pouvoir vous répondre. Je me souviens bien de mon père. C'était un breton. Mais je n'ai jamais connu ma mère. En fait, maintenant que j'y pense, toute mon enfance est plutôt floue. Ça ne m'a jamais paru bizarre. Je me demande pourquoi. À savoir que dans les Elder Scrolls, la race de la mère est prépondérante dans la race de l'enfant. Bah d'accord, donc ce ne serait pas forcément un breton. Ouais, voilà. Et Meridia ne vous a rien dit d'autre? Meridia m'a simplement dit que j'étais son vaisseau. Je ne me rappelle pas m'être porté volontaire, pourtant. Ah bah c'est Meridia. Sa magie est en moi. Je la possède depuis toujours. Je la sens. Mais pourquoi? J'ai tant de questions. Par exemple? Comme quoi? Qui suis-je? Que suis-je? Pourquoi tant de beauté et de charme, si je ne sers qu'à piétiner les ennemis de Meridia? Pouf, ces abs! Si j'étais prince, je voudrais un champion qui en jette, après tout. Alors... Je la comprends. Mais bon, faut mec... absolument que je pose la question de... Bah, attends, le mec a des abdominaux, il a des ombres sur ses muscles, il a même pas besoin de lumière, quoi. Même dans le noir, il brille. Pardon, je t'en prie, je t'en prie. Vous vous promenez toujours à moitié nu devant les inconnus? Oh là là. Ah, tous ces dialogues que tu n'as pas. Donc là, je peux lui dire, vous devriez vous rhabiller, ou alors je peux utiliser la persuasion pour lui dire, c'est assez agréable. Oh là 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 là, vas-y, hein, sauce-nous. Oh, j'ai un rencard. Oh, j'ai un rencard. Il a un ticket. J'essaierai de ne pas trop vous distraire d'ici à ce qu'on sauve le monde. Après ça, je n'ai rien de prévu, alors si ça vous dit... Voilà ce qu'il m'a dit. Oh là là, et à vous, passer un week-end dans le domaine de Mérunès Dagon à buter du Dédra pour la gloire de Meridia, c'est quand même la classe. Ok, je fais le dernier texte parce que c'est par rapport à l'histoire que j'ai déjà fait. J'aimerais quand même savoir. Cela faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Comment allez-vous? Et pourquoi Meridia vous a-t-elle recueilli dans son domaine? Là, il y avait des vraies images, là. Qu'est-ce que Meridia veut que vous fassiez? Sympa le dialogue. Au revoir. Ok, c'est bon. C'était magnifique ton... Oui, j'ai vu. Je faisais des pauses absolument sublimes. Avec le soleil derrière. Ah, et le chien et tout, c'était absolument merveilleux. Ah, là, c'est... Oh là 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 là. Le taux de virilité dépasse tout ce qui existe. Hein. Enfin bon. Du coup, on est bien, on est propre. Maintenant que toi t'as un rencard, et puis moi j'aime bien, c'est vous vous promenez toujours nu devant les étrangères, et puis il aurait pu te dire je te retourne la question. Non, bah j'ai une armure complète. Oui, bien sûr, selon tes termes d'Heroic Fantasy. Bah oui, selon là c'est une armure qui protège énormément selon les jeux coréens. Bien sûr. Ça dépend, nord-coréen ou sud-coréen. Je sais pas s'ils ont beaucoup de jeux dans le nord. Je sais pas personnellement s'ils ont beaucoup de différences. Est-ce que ça existe des jeux vidéo nord-coréens? Ah bah, Kim Jong 2 ou Kim Jong 3, la vengeance. Tu crois qu'ils ont fait des petits jeux comme avec Mélenchon? Ah bah c'est garanti, ouais. C'est garanti. C'est garanti, sauf qu'ils ont du vrai budget derrière. Ah, il arrive. Quelqu'un qui crie. Ah ouais, il s'est rhabillé. Il s'est rhabillé et surtout il a remis le cristal de Meridia dans au Béclat. Et donc là, tout de suite, ça déconne un petit peu zéro. Oh là 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 là, ce costume absolument incroyable. Écoute, du coup, on est censé y retourner, mais on va parler au maître des rites Yachesis. Vas-y, t'es presse quand tu veux. 3, 2, 1, go. Nous sommes aussi près que possible, sachant que nous ne savons même pas où mène ce sentier. J'ai même placé les charmes qui me défendront contre les princes Dédra. Mais n'oubliez pas que notre but principal est de retrouver le cœur de la loi transparente. Ça a l'air sympa ces charmes qui nous défendent contre les princes Dédra. On peut en avoir aussi ou non? Non? Bon bah très bien. Et comment activerons-nous le portail? Le chevalier doré doit posséder au Béclat reforgé pour abattre la barrière. Alors nous franchirons le portail pour voir où il mène. Je crains que nous n'ayons besoin de votre force dans tout ceci. Êtes-vous prêt à partir? Pas encore, je dois terminer quelque chose. Bien sûr, faites le nécessaire. Bien sûr. Qu'est-ce que tu dois terminer? Bon, ok. J'arrive. Ouais, parce que bon. Et Aeros Ateris qui rejoint Aglo Family, les bisous et bim. Merci pour le sub, merci beaucoup, c'est très gentil. C'est bon, je suis prête. Ok. Nous sommes aussi près que possible. Donc, le chevalier doré doit. Moi, j'ai toujours je suis prête. Eh ben, je suis prêt. Ok, let's go. J'ai cliqué. Chargez-vous de cette barrière, voulez-vous? Avec plaisir. Ah, il est ténébreux. La voie est dégagée. En route. C'est très très blanc. Mes nerfs optiques. Ouais. C'est pas grave. Allons-y. Let's go. Et ya. D'ailleurs, je n'ai plus de bouffe. Je sais pas pour toi. Mais je vais remettre un petit peu de bouffe. Ouais, et relire un parchemin d'XP. Mais en tout cas, voilà quoi. Ah, toi, tu lis des parchemins d'XP? Ou bah, autant qu'à faire, autant les claquer, tu vois. C'est vrai. Voilà. Mais en tout cas, sublime quoi. Oh 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 oh. Elle va pas savoir ce qui l'attaque, Meridia là. Quoique, Crépuscule éternel. On va voir Nocturne là, je pense. Et où Nocturne? Alors, je voulais. Oui, de la bouffe. Attends, de la bouffe, de la bouffe. J'avais ça, c'est très bien. Mais ça augmente pas mes HP, je viens de tilter. Bon, c'est pas grave. Oh, oh. Ah, attends, comment ça augmente pas tes HP? Tu veux du trône Takamoran douteux? Non, mais j'en ai plein. J'ai utilisé un qui augmentait pas mes HP. Moi, c'est vigueur et santé maximale, donc c'est pas mal. Ah, moi j'ai mis vigueur et magie parce que c'est pas très très utile. Mais la caverne du rêve, non mais j'en ai plein, je te dis. J'ai juste pas mis celui-là. Qu'on monte la fonctionnalité, de l'échange. Comment ça marche? D'accord. Voilà, proposer un échange. Accepter. Là et là. Séparer pile. Tiens, on m'a envoyé ça, il fallait que je te le montre, donc je vais te la donner. Je sais pas si tu peux la mettre. Contre offre. Incroyable. Tiens, voilà. Oh, une robe en lin. Ouais. Oh. Paraît-il qu'elle est particulièrement dénude. Ok. 7. Ensuite. Et toi, ce que tu m'as filé, c'était quoi? Du trône Camoran douteux. C'est le nom. Votre vigueur. Ouais, mais tu vois, par exemple, bah moi, je vais pas l'utiliser parce que je suis magique, je suis pas vigueur. Ouais, mais ça permet. C'est survivance. Mais bon, c'est pas très. Oui, non, mais attends, je dois en avoir. Magie maximale augmentée, non, c'est pas ça. Porridge, non. La santé et la vigueur, ah oui, tiens, j'ai ça. En tout cas, on peut parler au chevalier d'or Darien. Ah oui, j'ai rien, magie et santé. On peut parler au chevalier d'or Darien Gautier, j'invite à le faire. 3, ok, 2, go. 1, clic. Le vieux magicien n'a pas l'air en forme. Je pense que le voyage en Oblivion ne lui a pas fait beaucoup de bien. Est-ce que tu veux parler plus lentement? Est-ce qu'il ne pourrait pas prononcer une parole magique? Trouver le cœur et nous sortir d'ici? Lui aussi, il se fout du scénario. Ce serait trop simple. Alors attends, on va le faire à son rythme. Oh. revoir. Ah, tu exagères, c'est pas Razumdar non plus. Hein. Ouais, non, mais Razumdar au moins c'est cohérent avec sa race. Enfin, il met des pauses entre les phrases. Par la Valsirène d'abord. 3, Valsirène, 2, 1, clic. Le maître des rites a dû déployer des efforts considérables pour ouvrir cette voie à travers la caverne du rêve. Je vais le soutenir pendant que Darien et vous dégagez la voie. Ok, d'accord. Tout le taf, attention, 3, oui, ça, 2, ouais. 1, clic. Je m'attendais à ce que le sentier nous conduise dans un recoin obscur d'Oblivion, mais nous sommes dans le royaume de Nocturne. J'aimerais me souvenir de ce qui m'a poussé à cacher le cœur ici. Vous avez caché le cœur de la loi transparente dans le domaine de Nocturne? Le cœur est ici, j'en suis certain. Et ce lieu m'est familier. Je suis déjà venu. Il faut juste que je me rappelle où j'ai placé le cristal. Faudra m'expliquer pourquoi quand même. Hein. Oui, mais bon, comment on trouve le cœur? Comment trouver le cœur? Partez en reconnaissance avec Darien. Cherchez la moindre trace qui indique où j'ai caché le cœur. Valsirène m'aidera et nous vous suivrons. C'est regrettable, mais mes nombreuses années commencent à me rattraper. Ah oui, mais c'était à toi, vas-y, parle. Non, non, on s'en fout, on s'en fout. Darien et moi allons partir devant. Soyez prêts à tout. Une phrase, après tout, nous sommes chez Nocturne. Non, c'est pas grave. Lui d'abord, j'ai besoin de surveiller... Attends, on m'a envoyé de la bonne bouffe, apparemment. Surveiller ses arrières. Votre magie et votre santé maximale pendant 2 heures, on va prendre ça. Des ninjas! Des ninjas à poil! Attends! Oh, j'ai tout gagné! Bon. Bonjour, mesdames! Derrière mon bouclier! Enchanté, mesdames! Oh, c'est du gâchis! Oh, c'est tellement du gâchis! Merci, merci pour l'envoi. Il a l'air classe aussi lui. Alors lui par contre c'est... On peut utiliser au Béclat. T'as vu? Le X, si t'appuyais sur X c'était pour utiliser au Béclat. Ah, j'ai pas vu. Attention, et ya! Oh! Moi aussi je veux une charge. Bonjour madame! Enchanté madame! J'ai tout gagné, ok. Attention, je mets la zone. Et ya! Tellement de gonzesses, trop de gonzesses! Oh là 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 là! Un soutien-gorge en cheveux. Ouais, c'est clair. En tout cas, je nous régale. Hein. Du coup... Attends, il y a une caverne derrière nous. Tu crois qu'on peut y aller? Oui. Et il y a un truc qui brille. Donc soit c'est de la lumière naturelle, soit c'est juste un méchant, soit c'est... Ça me paraît suspect, si tu veux. Faut y aller, hein. Ah, il y a un bouquin. Ouais, c'était... Les réflexions privées de VIA, première partie. Est-ce que c'est... Veilla, est-ce que c'était la comtesse de Nocturne à qui on a parlé? Parce que regarde, quitter Morrowind. Elle disait que c'était une elfe noire paumée de Morrowind. Oubliez ça et abandonnez Morrowind. Ouais, c'est elle. Hein. Aucun doute, c'est elle. Et ce caillou ne fait rien à part éclairer. Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être Veilla, du coup. Sans doute, hein, c'est sa véritable identité. Cependant, voilà, j'ai toujours par contre le chien qui me poursuit et je vais m'en débarrasser. Moi, je vais laisser mon petit scorpion. Oui, je vais il gêne pas le scorpion, il est tout petit. Il gêne pas, il fait pas de bruit. Moi, ça me dérange pas en fait. À partir du moment où ça fait pas de bruit, c'est très bien. Voilà, très bien. Il peut te tuer sans bruit. Je le vis bien. Ouais, une piqûre de scorpion. Ouais. Bah, logiquement, il paraît que c'est les plus petits qui sont plus dangereux. Mais... Ça me paraît. Mais je pense que ceux-là, ils sont très très dangereux. Relatif. Ouais, voilà, c'est ça. Le terme, c'est relatif. Si tu veux me dire que Aragorn dans Harry Potter, elle est pas vénéneuse, je veux bien, mais à un moment, voilà, elle fait quand même la taille de 2 voitures, donc. Je suis en train de prendre un gros raccourci. Tu vas où? Je coupe. J'ignore où je vais. Je me promène. Ah, faut aller là où il y a le petit point blanc. T'as vraiment envie de faire le tour de cet arbre. Mais je suis les lanternes, j'avance, j'explore quoi. Ils disent trouvez le caillou. Le sans-plume regarde. Oh, attends, c'est quoi? Mais où est le joli cristal qu'il portait la dernière fois? Les piafs! C'est nos copains? Il a parlé l'oiseau là. J'ai pas rêvé. Ne faites pas attention aux corbeaux. Non, c'est pas les mêmes. Ils sont juste agaçants. Les piafs, ils sont formidables, ces piafs. Faut qu'on parle à Yachesis. Vas-y, 3, 2, 1, go. Les corbeaux servent Dieu à Nocturne. Elle nous observe par l'intermédiaire de ces agaçantes créatures. Nous ne pouvons rien y faire, à part continuer d'avancer jusqu'à trouver la cachette. Que voulait dire le corbeau par prêt? Le sans-plume revient sur notre route. Je me rappelle avoir porté le cœur de la loi transparente sur ce chemin, vers la montagne devant nous. Je me rappelle que les créatures de Nocturne s'écartaient pour me laisser passer. Elles sont beaucoup moins accueillantes cette fois. Ah ah! Faut-il continuer d'avancer? Je ne vois pas d'alternative. D'autres souvenirs me reviendront peut-être au fur et à mesure. Ah, attends, juste une chose. J'écoute. Non, non, reviens. Demi-tour, parce que je pense qu'on va aller voir par là. À mon avis, si on suit la logique, on devrait avoir le texte numéro 2 de Varia. Je voudrais juste voir ce qui est écrit. Donc ça doit être par là. Si tu regardes sur la map, le texte numéro 1, on l'a trouvé... Dans ah non, c'est pas ça. Dans une petite alcôve. Dans une petite alcôve, ouais. Donc je pense que là, ça va même être le numéro 3 et qu'on a loupé le numéro 2. On va voir. Si on suit la logique, mais ça peut être totalement pas ça. Il y a quelque chose là-bas. Yes, il y a un texte là. Ah, t'es en train de combattre, non? C'est bon? Non, je te suis. Bien joué. Deuxième partie. Non, on a tout gagné. Hein. En mer. Ancien. Alors il pouvoir, il n'importe quoi pour y mettre fin, c'est tout. Ok. Bon, en clair, c'est Princesse Sarah. Et je pense, bah, à mon avis, on doit trouver obligatoirement le 2 avant le 3, et je pense que le 3 il est juste avant. Je sais pas si tu regardes sur la map. Là, sur le côté. Je pense qu'on est dans les temps. Hein. Je pense qu'on est encore dans les marges. Sous le point blanc, ouais. Faut aller sous le point blanc. Putain, mais il est balèze ce loup. Voilà. Alors, par où est-ce? Par là. Par là. Et là, tout droit? Ouais, c'est ça? Non, attends, c'est de là où... C'est de là qu'on vient? Bah oui, c'est bizarre. Attends, on l'a trouvé où? Oui, non, c'est l'inverse. Oui. Non, tout droit, il faut monter les escaliers. Oui, je voulais couper, mais non, il y a une... Non, non, oui, on est bien, c'est bon. Ah, bien. On est donc le troisième, il doit être au bout, on voit les... Oh là là, une cochonne! Prends ça, je n'ai aucun regret. Il est juste chaud. Oui, fais-le. Oh là là. Elle a juste chaud. Ses cheveux, ils ne bougent même pas quand elle fait un looping comme ça. Oh, c'est ça non plus. Ah mince, il y en a une autre. J'ai pas vu. Ouais, mais c'est une hordeuse. C'est bon. Une hordeuse? Oui. De la horde? Oui. De vous? Oui. Pourquoi? J'ai évité de donner les marques, mais le mec... Il... Bah, parce qu'elle avait des tatouages. Ah. Genre les tatouages de mauvaise couleur, genre de la couleur que c'est pas bien d'en être. D'accord, ah, c'est mieux là-haut. Stack. Voilà. Aucun regret. Nickel, alors on est où? Ah, t'avais envie de... Évidemment. Mal regardé. Comment on pourrait... Elle est très très grande en fait. Ouais. Comment on aurait pu s'abstenir de ça? Et bien évidemment que je suis pour l'Alliance. Évidemment. Ah mais non. Mais évidemment. Non. Bon. S'il te plaît. C'est une manigance courbe. Dixit. Dixit le mec qui fait partie de la horde à Sylvanas quoi. Alors, il est non mignon. Non non mais les taurennes quoi. Oui, c'est les meilleurs, c'est les plus pires. Qu'obéissent les... à Sylvanas. Bon, oh, attends, regarde, c'est joli. Quoi donc. Là, regarde, sur la gauche. Il y avait une espèce de pluie, mais c'est une pluie de météorites de mana. Ah oui. Ah, j'avais pas vu. Oh, c'est beau. Putain, on a tout gagné, quoi. C'est sympa, oui. On a tout gagné. Oh là là. Alors. Là. Oh, un point de champion. Ça fait 3 points de joli, champion. Joli, ça. Et j'ai gagné le level, je suis level 39. Nice, 39. Ouais, j'ai même pas fait gaffe quand c'est... Bon, j'ai même pas fait gaffe quand je suis arrivé, quand c'est arrivé. Fais voir. Level up. Tiens, ça. Attends, tu veux mettre ton level avant d'aller frapper le gros mob? Il y a un gros mob qui nous arrive dessus. C'est bon. C'est bon. Bon. Il a volé. Il a payé. Bien. Il a payé pour tous les autres, si tu veux. De nouveau les corbeaux. Que signifie cette folie? Il a oublié, tellement désespéré. Elle est bien la quête. Il a sauté sur l'offre de notre maîtresse. Parlez clair, corbeau. Revenez ici. Non, bah, et vous? Yachesis, du calme. Leurs paroles n'ont aucun sens. C'est de plus en plus étrange. C'est qu'elle dit ça, c'est de plus en plus étrange. Bah, Gautier. Attends, faut leur parler. Ah, j'arrive. Et toi, t'es retourné. Évidemment que je suis à la baston, moi je bosse. T'en sors. Évidemment, je m'en sors. Je n'ai aucun regret. Oh, je t'ai vu utiliser au Béclat. Merci. Donc, pac. Attends, parlons à Valsirène d'abord. D'accord. 3, 2, 1, clic. Les corbeaux. Ils ont semblé dire que le maître des rites avait accepté une offre de Nocturne. C'est un traître! Est-ce possible? Je le savais. Je vois bien la fin. Est-ce qu'on peut parler à Darien Gautier? 3, 2, 1, clic. Je ne suis pas du genre nerveux, mais ces corbeaux me tapent sur le système. Bon. D'accord. Écoute, maître des rites, Yachesis, c'est bon. 3, 2, 1, clic. Les corbeaux. Leurs paroles déclenchent des échos dans mon esprit. Jamais plus. Pardon. Vous avez donc accepté l'offre de Nocturne? Je me rappelle avoir lutté de tout mon être contre la compulsion du Slod des mers. Et je perdais. Je me rappelle avoir cherché un moyen, n'importe lequel, de protéger le cœur contre Katora. Katora. Vous ne vous souvenez de rien d'autre? Nocturne est apparue devant moi et m'a proposé son aide pour cacher le cœur, là où personne ne le trouverait jamais. Et ensuite... Continuons. Ouvrez-nous le passage. Je vais tenter de me remémorer le reste. Aurait-il succombé au plaisir de la maîtresse des ombres? Non, parce que Nocturne, elle a des robes, mon gars. C'est des décolletés, il plonge, mais c'est du saut à l'élastique, si tu veux. Genre, t'as jamais plongé autant, en fait. On l'a pas déjà vu, Nocturne, d'ailleurs? Dans le truc de la cité mécanique. Tout ce que je sais, c'est que dans Skyrim, tu peux la voir. Elle a une robe, mon gars, qui ne laisse absolument rien à l'imagination. Aucun regret. Bon. Excuse-moi. Ce bouton du one shot. Ouais, c'est vrai, mais c'est référence bien évidemment à Ken le Survivant, parce qu'il prend la même position que Rao lorsqu'il fait le rayon final de son énergie de sa vie. Il va falloir passer sur la gauche à un moment, ici. Hop. Une technique s'appelle le haut couteau Goten. Déjà, on va. Hop. Voilà. Okay. Là, on va avoir... Ouais, la vie, Réflexion privée, à 3e partie, voyons voir. Alors est-ce qu'on le lit celui-là? Parce qu'à un moment... Ah vas-y, celui-là. Allez, très bien. Une voix dans la nuit. Notre voyage vers le couchant touche à sa fin, et je vous jure que je perds la raison. Cela a commencé quand j'ai remarqué que certains passagers restaient toujours dans l'ombre. Ils restent dans les ponts inférieurs, dans les recoins les plus sombres du navire. Une fois que je les ai remarqués, ils m'ont remarqué. Ils ont commencé à me parler, m'ont dit d'écouter la noirceur autour de moi, d'entendre la voix de la mer des ombres. J'ai bien envie de planter ma lame dans leur capuche et de balancer leur cadavre par-dessus bord. Au moins, je sais que je dormirai mieux. Mais quelque chose retient mon bras. Je commence peut-être à m'y attacher. Ou alors, La solitude m'a pesé davantage encore que je ne le croyais, et même des amateurs d'ombre inquiétants commencent à faire de bons compagnons. Ils sont assez inoffensifs, mais le reste, ça m'inquiète vraiment. Je me mets vraiment à entendre des voix, pas vraiment, mais je parle toute seule, et parfois j'ai l'impression qu'on m'écoute. C'est étrange de l'écrire, mais parfois ça me réconforte. Merci Scraps, et bim. Peut-être que... Merci Scraps, et bim. Peut-être que j'imagine ça. Il parle. Scraps, Scraps, et bim, et bim. Peut-être que j'imagine simplement que je parle à ma mère, parce qu'elle me manque. Elle était innocente de tout ceci. Je me demande où elle est. Je n'ai pas osé la voir après la mort de mon père. Elle avait déjà tant perdu, je voulais pas avoir la douleur que mes actions avaient pu lui causer, même si j'avais raison. Non, je ne suis pas folle. J'ai fait des rêves pleins de corbeaux qui parlent et de créatures d'ombre, de tours étirées jusque vers les étoiles. Ce sont des rêves d'obscurité et de changement, une chance de voir un nouveau monde. En relisant ces mots, je me dis que je devrais avoir peur, mais c'est pas le cas. C'est assez réconfortant, aussi étrange que ça puisse paraître. Je crois que c'est la Dame des Ombres. Elle est douce avec moi. Elle m'écoute lorsque je lui parle dans mes rêves. Elle me tient contre elle quand je pleure. Elle me réconforte. Cette femme est davantage une mère que ma propre mère n'a pu l'être. Elle m'a promis que nous allions guérir le monde, pour que plus personne ne puisse perdre quelqu'un qui lui est cher. Bon, bah on fait comme dans Naruto, on lui casse la gueule. C'est sympa ce petit texte. Oui, j'entends, mais... C'est classe. Mais tu vois, c'est une... Eh ben alors Milou, qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que tu gardes, Milou? Ah ah! Oh mais il y en a un autre! Eh ben bien sûr! Attends. Mais il n'y est pas sur la map celui-là! À ton tour! Arrivé au couchant, je renais. Féminine! De quoi? La voix! Ah non! Ma mère m'a aidé à voir que le chemin que je suivais n'était pas pour moi. Que je deviendrais une esclave des règles et des lois de ce monde, que je serais forcé de suivre dans les pas d'un autre, alors que je devrais être libre. Alors je me libère. De l'obscurité, une nouvelle aube va surgir. Avec cette aube, la haine, l'avidité et la mort seront effacées. Je suis prête pour tout ceci. Et je ne me suis jamais sentie aussi sûre de ce que je voulais faire. Mère m'a proposé une place dans la cour du saccage, un groupe consacré à l'avènement de ce nouveau monde. Mais les plans de mère vont bien au-delà de ce prestigieux groupe. Mère m'a donné un nouveau nom, un nouveau but, le sang va couler. Des vies vont s'éteindre, mais en fin de compte, le monde tout entier changera. Fini la souffrance, envolé le deuil. Je ne suis plus une fille de la maison Redoran, je suis une fille de Nocturne. Je m'appelle Tundilwen, et je vais brûler ce monde, pour qu'un autre puisse renaître de ses cendres. Putain, bien joué pour le nom, hein. Celui-là j'ai tiqué même mentalement en le lisant. De quoi, Tundilwen? Ouais. Non, ça va. Moi, dès qu'il y a des accents sur des lettres qui devraient pas en avoir, tu vois, ça me... Enfin. Après, moi, je me dis, tu pars d'un principe, ça se lit comme ça, puis au moins, ça a l'air fluide, même si tu te trompes. Le chemin s'arrête ici. Cela me revient. Ah ah! Yachesis, que voulez-vous dire? Un traître! Je me rappelle avoir emporté le cœur dans ce portail. Ok, tu veux parler aux autres ou juste à Yachesis? Parlons aux autres, c'est marrant parce qu'ils mettent l'effort, tu vois, et personne ne leur parle jamais. Donc parlons à Darien Gautier. Oh. J'espère que le vieil homme se souvient de quelque chose. Ou bien nous serons montés ici pour rien. C'est quand même assez dingue parce que tous ces dialogues, je pense que quasiment personne clique dessus, et ils ont un dialogue différent à chaque phase. Oui, tout à fait. C'est quand même assez insane, quoi. Oh bah c'est un staple classique d'un vieil RPG. C'est juste que on n'a plus été habitué depuis 2005 à peu près à ce que les RPG soient si bien foutus sur cet aspect. Donc voilà, Valsirène. Go. Parlez au maître des rites pour savoir s'il connaît la marche à suivre. Si tu jouais à un jeu qui s'appelait putain, un très vieux RPG Lunar. Lunar, je crois que ça s'appelait. Alors Lunar, je vois de très loin, mais... Voilà, et ben dans ce RPG-là, tous les PNJ du jeu, sans exception, avaient quelque chose de différent à dire à la moindre avancée de scénario. Ouais, c'était un truc Sega hein, de mémoire, voilà, c'est bien ça, je suis en train de voir. Pareil. Et il y avait pas... C'était un jeu aussi où il y avait des petites scènes animées dedans. Oui, tout à fait. Et pareil, ouais. Oui, pour le remake. Pareil pour le jeu Trails in the Skies, ou les trucs comme ça. Pareil, si t'avances un couille de scénario, c'est-à-dire t'entres dans un donjon, mais t'as pas tué le boss, tous les PNJ du village qui a 800 bornes, hein, ils disent un truc nouveau. Si tu butes le boss, ils disent un truc nouveau. Si tu vas reparler au chef du village, du donjon que t'étais censé clear, parce qu'il t'a demandé d'y aller, tu vois, les mecs du village, mais à l'autre bout du monde, hein, ils disent quelque chose de nouveau. Et il y a toujours même des vannes du genre où il y a un marchand qui est là, ouais bah j'ai plus rien à dire, plus rien d'intéressant à dire, non toujours rien, tu vois, il continue, tu vois, c'est dans l'idée. Mais je veux dire, voilà, il y a quand même un boulot qui est considérable. Mais enfin bon, parlons au maître des risques, Yachesis, 3, à 2, 1, clic. Ma mémoire me revient à chaque pas sur ce sentier. Ce portail mène à l'endroit funeste où j'ai rencontré Nocturne. C'est là qu'elle m'a proposé de m'aider contre le Slod des mers, Katora. Ah. Je t'en prie. Non, ah non, j'ai lu le tout le texte. Je t'en prie. Bon, quelle aide vous a-t-elle proposé? Nocturne m'a proposé un sort qui cacherait le cœur à tout le monde. Le Slod des mers, Nocturne et moi-même. Dès que je l'ai caché, j'ai perdu jusqu'au souvenir d'avoir possédé le cristal. Mais m'a parqué? Donc le cœur se trouve de l'autre côté du portail? J'imagine. Certains détails m'échappent encore. Je me rappelle être entré dans ce portail avec le cœur, puis être revenu sans. Puisque j'ai lancé le sort avec ces antiques paroles, moi seul pourrais le lancer à nouveau pour révéler la cachette. Et Nocturne? Mes préparations comprenaient de nombreux charmes de protection. Ils devraient me permettre de résister même à la magie d'un prince Dédra, du moins pour une brève période. Derrière ce portail, je me rappelle une ruine antique. Je vous y retrouverai. Putain, mais même Tsenge, il a pas des plans aussi alambiqués, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette phase? Bon, bah... Alors ouvre le portail et partons chercher le cœur. Depuis le coup, attention où vous mettez les pieds. Oui, je pense. Je ne me rappelle presque rien de ce qui se trouve derrière le portail. Mais du coup, comment Nocturne peut avoir un truc caché dans son propre royaume? Justement, tu vois. Je sens qu'un... Ah putain, on peut parler à Darien. Vas-y, parle à Darien. Vas-y. 3, 2, 1, clic. Ah mince, il s'est fermé. C'est bon. Je sens qu'un événement mémorable est sur le point de se produire. Vous savez, le genre de moment où on sauve le monde, où on subit une mort aussi atroce que glorieuse. Parfois les deux. Valsirène. Je n'aime pas cela. Des souvenirs enfuis, des transactions avec des princes d'Edric. Rien de tout cela n'est normal. Sans oublier Yachesis, je ne l'ai jamais vu ainsi. J'ai l'impression qu'il a peur. Peut-être qu'il y a un truc nouveau, Yachesis aussi, hein, maintenant qu'il a fait le truc, je sais pas. Écoute, portail. Bon, je vais cliquer juste pour voir. D'accord. Lorsque vous serez prêt. Let's go. Portail. On y va. 3, 2, 1, sblouf. Wop, wop. Elle est longue, n'empêche, cette série de quêtes. Mais elle est bien. J'aime pas ce genre de téléportation, je trouve ça vexant. Le moment où t'apparais, mais ton foie et ton estomac sont pas encore apparus, tu vois, ça me paraît... c'est... Enfin. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait de nouveaux textes planqués. Là, il y a un baril, là, il y a une hache. Bon. Ah ouais, attends. Oh ouais, bah Nocturne, elle porte pas la robe avec le... Par contre, elle porte la robe de l'Underboob le plus infini dans celui-là. Ah oui. Le Shim? Kim? Non. De quoi? Ils disent réciter les mots de pouvoir, moi j'essaye, hein. Avec ceux que je connais. Le maître des rites... Attends. Parlons d'abord au glandu. C'est sans doute le bon lieu. Ah, vas-y, attends, Darien, vas-y. C'est sans doute le bon lieu. Je me demande où le vieil homme a caché la tour de cristal. Ok. Valsirène. Go. Je veux juste trouver le cœur et quitter cet horrible royaume. C'est cool. Hein. C'est cool. Ok. Maître des rites, allons-y. 3, 2, 1. Je me souviens des paroles, mais pas vraiment de ce qu'elles signifient. Une fois que j'aurai commencé le sort... Préparez-vous à tout. On est prêt. Vas-y, balance tous, mon salaud. Mes amis, nous retrouverons bientôt le cœur de la loi transparente. Si. Wop. Cœur. Zup. Révèle-toi. Ganoroberin. Votre poitrine s'illumine. Ijavil. Bien sûr, j'ai mis le cœur en moi-même. C'était la cachette idéale. Alors j'avais raison depuis le début. T'aurais jamais dû quitter ta... Regarde, Mephala. Oh ah là là. Le mortel a dissimulé le cœur dans son propre corps. Comme c'est intelligent. Oh, Mephala et Clavicus, ça pourrait mal tourner. Mais pourquoi Nocturne nous l'a-t-il caché? Peu importe, je vais à présent m'emparer du cristal. Mephala, elle a pas de poitrine. Les armes me protégeront. Ah, fait frapper. Non, pour un mortel. Mais ces charmes ne tiendront pas longtemps contre notre pouvoir. C'est trop stylé. Mephala, déesse des fétiches. Elle est plate. C'est la preuve. C'est la preuve. Arrêtez de lutter, mortel. Vous ne faites que retarder l'inévitable. Flat is not justice. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent au ping-pong avec ou... oui, et bah ils essaient de choper pour eux, ouais. Battez-vous, Yachesis. Tenez bon. Ouais, enfin, battez-vous. Béclat est prête. Donnez-moi le signal. Okay. Ah, c'est tellement stylé, y a pas moyen de zoomer, putain. Ouais, j'avoue, la scène en haut, on est obligé de combattre en bas, mais c'est la scène. Avec toutes ces petites pattes et tout, c'est vrai que c'est terriblement érotique. Hein. Ah, et le vil Clavicus. Là ou pas? Pas là-dessus. Oh là là, je vois son slip. Ah bon? Pardon, non, ouais, Robert. Excuse-moi, hein, Le combat. Mais non, on voit pas son slip, t'as menti. Oui, mais justement. justement. Béclat est prête. Donnez-moi le signal. Ouah. Rien. Quand même, hein, les Dédra qui se battent dans le royaume. Le pouvoir de l'épée, honnêtement, ils prennent des risques, hein, si tu veux mon avis, parce que le moment où Nocturne va débarquer, elle est un peu chez elle. Hein. Donc les autres, ils vont un petit peu. Ils vont dans dîner du fion, si tu veux mon avis. Ah bah. Mais du coup, les Dédra peuvent se déplacer librement dans les autres plans de Dédra? Oui, parce que les protections de la réalité ne font pas partie des 8 piliers, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas la même protection qu'il y a sur le monde de Nirn. Bal, promettez-moi que vous les guiderez. Ne dites pas cela, Yachesis. Battez-vous. Non, meurs. Meurs par une séparation de ton corps en deux à la Mortal Kombat. Encore un point de champion, mais c'est bien. Je veux du gore. Mais vous allez crever, vous tous. Voilà. Il me taille en pièces. T'as pas un arc? Arrête. Je l'ai. T'as pas d'arc? Mais qu'est-ce que... J'ai ça. Attends. Nocturne. Oh, comment oses-tu t'interposer? Sortez de mon domaine. Voilà. Oh là là, je l'ai fait disparaître, c'est grâce à moi. Le cœur est à moi. Nous avons conclu un accord, n'est-ce pas, mortel? Yachesis. J'ai fait le nécessaire. J'ai caché le cœur. Même à vous. Seule ma mort le libérera. Très bien, j'accepte ces termes. Yes! Nous devons y aller, maintenant. Bonjour madame. Je viens négocier les termes d'un nouveau contrat. J'utilise le pouvoir de l'épée quand vous voudrez. On a pas besoin. Tu gères? Mais prenez-les. Bon sang. Tenez bon, je vais nous sortir d'ici. Bon, j'arriverai pas à voir sous son nom. Donc tout ce qu'on a fait, c'est donner le cœur à Nocturne, c'est ça? Attends, ouais. Vous n'avez aucun pouvoir ici. Je vous ai montré du pouvoir, monstre. L'épée de la lumière. Je la... Ah bah non. L'épée. Viens la réparer. Le cœur est à moi. Et bientôt, la tour de cristal m'appartiendra. Je n'ai plus besoin de Mephala ni de Clavicus. Attendez. Je vais nous sortir d'ici. Ah non, 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 non. Donc, résultat de l'opération, on a perdu le cœur et on a perdu l'épée de... Oui, par contre, l'épée de Meridia qui devient une épée de l'ombre, honnêtement, je pense que Meridia, elle va grincer un peu des dents. Je voudrais pas être dans la pièce, si tu veux. Là, c'est pour ça. Là, j'ai tout perdu. Là, j'ai tout perdu. Moi, j'étais conquis, si tu veux. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Bon. Irène, où est le maître des... Tant pis. Ah. Nocturne l'a tué. Nous n'avons pas pu l'empêcher. Tu veux parler aux deux autres avant? Non. Attends, le texte. Ce n'est pas possible. Alors, Nocturne l'a tué. Elle ne l'a pas tué. Elle a dissous son existence. Je doute qu'il soit comment ça s'appelle, en aetherium, si tu veux. Ouais. Je doute qu'il soit dans l'aéther. L'aéther qui sert, je rappelle, de pompe à âme et de lavage de l'âme pour les réinjecter ensuite dans le mundus. Je pense qu'honnêtement, à la Nocturne, il en a fait son 4 heures, hein, si je peux me permettre. Ensuite, tu disais justement, mais les princes Dédra, ils peuvent se balader où ils veulent dans les autres plans. Oui, mais s'ils viennent chez Nocturne, je voudrais pas être là à leur place quand Nocturne débarque. Et t'as bien vu qu'à la seconde où Nocturne a débarqué, elle a fait « Excusez-moi ». / toggle god mode on, voilà. Et donc elle est bien vous faire foutre. Elle les a renvoyés d'un revers de la main. Alors que sont des princes Dédra du même niveau. C'était quand même classe de voir 3 Dédra d'un coup. Hein. Ah j'avoue, ah, je suis content d'avoir vu le Ville Clavicus, je suis content d'avoir vu Mephala. Oh là là, Mephala qui est flat quoi. Mephala qui est flat, les révélations. Mais c'était peut-être juste, elle a peut-être juste mis une tenue qui sert. Non mais ça veut dire que flat, c'est comme le BDSM, c'est une déviance, tu vois, c'est des drics. Oh là là. Tout s'explique. Le mec qui classifie ça selon le modèle de Béclat. C'est pour ça, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Dans tous les cas, Nocturne. Par contre, je suis un peu déçu. Nocturne, ouais. dans Skyrim, elle avait une robe avec un décolleté qui plongeait jusqu'au ras en dessous du nombril, tu vois ce que je veux dire, voilà. Ouais. Et là, le décolleté, il était... C'est vrai qu'elle n'était pas méga classe. Et là, c'était pas un décolleté... La statue était plus classe que le... Voilà. C'était un petit décolleté qui tombe jusqu'au plexus solaire, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vrai que c'est un peu classe, c'est vrai que c'est sympa, mais c'est pas le décolleté... Ah, c'est pas... Bon, allez, Valsirène. Pas... Enfin bon, Valsirène, 3, 2, 1, clic. Go. Pourquoi Nocturne a-t-il tué Yachesis ? À cause d'un fichu cristal, je n'y comprends rien. Je vous en prie, j'ai besoin d'un moment pour reprendre mes esprits. Bon bah au revoir. Alors on me dit, Aérémir qui est plutôt calé sur le lore Teso, ça dépend des princes Dédra, et techniquement Nocturne est un tiers au-dessus de Clavicus et de Mephala. Mais Sheogorath par exemple est tellement puissant par rapport aux autres qu'il se balade de plan en plan comme il le souhaite. Oui mais Sheogorath, comme j'ai dit, il ne suit pas les règles. Parce qu'il, oui. Par concept, il est le désordre. Donc si tu mets une règle, sois sûr que Sheogorath ne va pas forcément la suivre ou la violer, mais va s'en absoudre. Tu vas complètement. Il n'y a pas de règle pour Sheogorath, ça ne veut rien dire. Du coup, parlons à Darien Gautier. 3, 2, 1, clic. Eh bien, ça aurait pu mieux se passer. Je sais que la situation semble difficile, mais... Bon, pourquoi le nier? C'est terrible. Je suis navré que Nocturne ait tué le vieil homme. Et pris le cœur, ainsi que ma fichue épée. Ah, c'est vrai que l'épée est une plus grosse perte que tout le reste, hein, sincèrement. Putain, ça me paraît problématique. Je sais pas si Meridia pourra en faire une. Hein. Enfin bon, on reviendra. 3, 2, 1, clic. Cela n'a aucun sens. Qu'est-il arrivé au maître des rites? Cela n'a aucun sens. Qu'est-il arrivé à votre goût vestimentaire, madame? Ça va, pardon. Nocturne l'a tué, et maintenant... Elle possède le cœur de la loi transparente. Je n'y crois pas. Le maître des rites, Yachesis, c'était le meilleur d'entre nous. Ah bah putain. Et puis, je croyais qu'il était le seul à pouvoir révéler l'emplacement du cœur. Il avait caché le cœur dans sa propre poitrine. Nocturne l'a arraché. Et il en est mort car cela l'a tué. Je savais qu'il se rappelait des choses, mais je n'imaginais pas qu'il avait été désespéré à ce point. Passer un accord avec un prince Dédra, même pour déjouer les slots des mers, c'est de la folie. Quoique rétrospectivement, j'aurais pu en faire autant. Et maintenant, comment vaincre la triade? La triade est désormais rompue. Nocturne a pris le cœur de manière unilatérale. Nocturne a trahi les autres princes? C'est... En fait, c'est assez typique d'après tout ce que j'ai lu. Sans le cœur ni le maître des rites, que pouvons-nous faire? Nous trouverons un autre moyen d'arrêter Nocturne. Je ne sais pas s'il y a un autre moyen. Avec le cœur de la loi transparente, Nocturne peut contrôler la tour de cristal. Et avec la tour de cristal, elle peut... En fait, je ne comprends pas pourquoi elle veut la tour. Il faudra consulter quelques experts à ce sujet. Bonne question. Que fait le... avant d'accomplir la quête, que fait le contrôle d'une tour? Si t'as pu en apprendre sur le sujet ou pas du tout. Ah non, justement, je me posais la question aussi tout à l'heure quand je te disais... Parmi les 8 tours, tu sais, bon bah il y a la Gorge du Monde, tu sais, dans Skyrim, la Grande Montagne. Tout en haut, il y a les comment ça s'appelle, les mecs qui font la voix, tu sais, les vieux qui t'enseignent la voix. Mais c'est pas vraiment... tu sais, tu contrôles pas la tour. Ah, éventuellement, il y a le mont Écarlate avec le cœur de l'Orcane. Mais là, il y a déjà Dagotur, donc t'as rien à y poser. Et c'est vrai que ça peut t'aider à accéder à la divinité avec le cœur de l'Orcane, comme fait Vivek, par exemple. Ouais. Mais les autres tours, aucune idée. On me dit les Grisbards. Ça donne quoi un Dédra qui prend le cœur de l'Orcane? Bonne question. Très bonne question. J'en ai aucune idée. Bah, je pense pas que ça... C'est un artefact qui est puissant, c'est vrai. Mais ça lui donne pas plus de divinité qu'il en avait. Par contre, c'est sûr que ça lui donne une pile qui doit être très sale, à mon avis. Et eux, ils peuvent le prendre directement comme ça ou pas? Ah non, bah non, il faudrait que... Non, non plus. Bah, oui. Enfin, non, j'imagine que non. Parce que le problème, en fait, avec le cœur de l'Orcane, c'est que c'est un artefact qui est d'un classement divin au-delà de eux, en fait. D'accord. Comment dire, c'est Dionysos qui prend la foudre de Zeus, tu vois. C'est un niveau au-dessus, tu vois. C'est pas, ça marche pas. Il peut pas. Là, il va s'en prendre une s'il y touche. Le problème, c'est que du coup, voilà. Mais bon, après, et puis il a aucun intérêt. Et enfin, après, il y avait une tour, c'était le Numidium, c'est-à-dire la tour de cuivre, la tour de fer, tu vois, c'était le Numidium, l'espèce de robot géant, qui était une tour, certes mobile, mais ça reste une tour. Et là, c'est vrai que bon, bah, c'est un sacré Gundam de bâtard. Donc voilà. Alors, quelqu'un sur le chat qui dit, par pure estimation, un Dédra avec le cœur de l'Orcane, ça donne une très grosse merde. Je pense que ouais, voilà, ça partirait en sucette. Ça partirait en sucette très grave. Mais bon. Après, du coup, voilà, donc je sais pas ce qu'on peut faire avec la tour de cristal, ce qu'il est possible de faire avec cette tour. Apparemment, si on suit la logique, chaque tour, vu que chaque tour possède soit un artefact, soit une capacité précise, donne un super pouvoir différent. Mais, quant à savoir ce que la tour de cristal donne, on ne sait pas. Accomplir la quête. Cela ne sert à rien de nous lamenter sur notre sort. En plus. Concentrons-nous sur nos devoirs. Nous devons rallier nos forces et repousser cette marée d'Edric avant que les flots d'Oblivion nous engloutissent. Heureusement, Sotha Sil est revenu pendant que vous arpentiez la caverne du rêve. Ah, le Sotha Sil, notre ami Seth, qu'est-ce qu'il avait à nous dire? Sotha Sil a dit que ces informations ne pouvaient être remises qu'au maître des rites Yachesis. Ah merde. Il m'a demandé de lui envoyer le maître des rites lorsqu'il serait remonté de la caverne du rêve. Moi je propose de lui envoyer un symbole symbolique. Prends des cendres dans le feu et balance-lui une enveloppe avec un peu de cendres dedans. Dis-lui que c'est le maître Yachesis. Je crois qu'il fera 2+2 dans son cerveau. Pardon. Il faut annoncer à Sotha Sil que le maître des rites est mort. Nous devons aussi convaincre Sotha Sil de nous transmettre ces informations. Mais sans le maître des rites, il pourrait aussi bien décider de partir. Comme tous les membres du tribunal elfe noir, il peut se montrer très énigmatique. Vous devriez peut-être lui parler. Bon, bah on va causer à 7 alors. Nous devons rallier nos forces, mon ami. Okay. Par contre, on commence une nouvelle série de quêtes. Il est 00h30. Est-ce que tu veux continuer encore un peu? Oh, on peut s'arrêter là, mais j'aimerais bien juste aller parler à 7 pour on peut faire ça. Pour la forme, exactement. C'est pour ça. En tout cas, ça aura bien XP. Très bien. Et il est où? Il est dans la tour. La réponse à ta question est à la fin de toute cette histoire, Bob. Ah, très bien. Donc on saura ce que la tour de cristal fait en continuant cette suite de quêtes. Excellent. Là, pour ceux qui l'ont déjà fait, on est à quel pourcentage de la quête principale de Somerset? Parce que je sais qu'on avance pas très vite, mais c'était quand même un moment qu'on fait des... Oui. Puis on se promène. Des quêtes. Oui. Moi j'ai aucun remords, hein, je trouve ça formidable. On dit 85%. Oui, pareil, oui. Ah bah 70-75%, 3/4. Ah. On est bien, on est bien. Prochain live. De live on aura peut-être fini. On a un live, on se le bouffe. Non, 25% tu rêves. Mais... J'y crois. J'y crois. Mais il a une chambre à lui, Sotha Sil? 7 ouais. Il mérite. Ça peut être un peu sa chambre en plus. Attends, il donne des chambres à lui pour les... Il donne des chambres à eux pour les prisonniers, s'il te plaît. C'est vrai. Ah, et en plus, il a custom l'endroit. Hein. C'est il s'est installé, si tu veux. Oh là là. Et le robot, il est méchamment classe. Mais regarde les guns de ses mains, tout ça. Oh la vache! putain. Et c'est tellement pas de la technologie Dwemer. Enfin, si, ça se voit que c'est Dwemer dans le matériel, dans l'acier Dwemer ou autre, mais tu sens tellement la patte de Sotha Sil dessus. Dans le design, tu vois, l'espèce de crête, ouais. Qui est faite un petit peu à la manière des membres du tribunal, les rouages de cœur, les armes massives aussi, parce que les Dwemer ne mettent pas des armes comme ça, ils mettent des arbalètes ou des trucs comme ça, ils mettent pas des canons à protons. Ça, c'est clairement... Je sais pas à quoi ça me fait penser, mais ça me fait penser à un truc. Genre peut-être un truc de Warhammer 40k. Ah oui, c'est Warhammer, c'est complètement Warhammer. Hein. Ou un coffre. C'est très classe. Enfin bon, Sotha Sil du coup. Mon petit 777, comment ça va? 3, 2, 1, clic. C'est très étrange. Le maître des rites m'a fait attendre pendant une durée inhabituelle. Et voilà qu'au lieu de Yachesis, c'est le sauveur de la cité mécanique qui arrive. Cool, il reconnaît mes exploits. J'en tire une seule et unique conclusion. Le maître des rites n'est pas revenu de la caverne du rêve. C'est parce que le maître des rites est mort. Nocturne l'a tué. Il est mort de décès. C'est regrettable. J'aimais mes conversations épisodiques avec Yachesis. Oh. Si cela ne vous fait rien, j'ai des préparatifs à mener avant de prendre congé. Vous allez partir? Mais je croyais que vous aviez des informations à confier au maître des rites. Oui et oui. Mais le maître des rites n'est plus en mesure de recevoir ces informations. Je vous demande à nouveau. Nous allons avoir besoin de votre aide pour arrêter Nocturne. Dites-moi ce que vous alliez dire au maître des rites, s'il vous plaît. Vous me donnez un ordre? Je dis s'il vous plaît. Intéressant. Vous avez raison. Nocturne a envahi mon domaine pour voler le secret grâce auquel je peux employer l'énergie vitale comme source de pouvoir. Je pense qu'elle compte utiliser cette technique pour amplifier la tour de cristal. Et donc ? Amplifier la tour de cristal ? À quelle fin ? La tour de cristal existe simultanément sur de multiples plans de réalité et possède des capacités que nous ne comprenons pas encore totalement. Nous devons supposer que Nocturne possède une infinité d'options à sa disposition. Je vous suggère d'informer Valsirène de ce développement. Attends. D'exister simultanément sur plusieurs plans. Alors, tu parles de multivers, tu parles de plans temporels ou tu parles de plans spatiaux. Parce que si c'est l'omniprésence, c'est la merde. Si c'est l'omnitemporalité, c'est la merde. Si c'est la multi-omnicité, tu vois ce que je veux dire, c'est même plus la merde, là, c'est la multi-merde, si tu veux. Enfin, moi, je le prends comme, ok, elle est présente dans ce plan-là, comme elle peut être présente en même temps dans un plan, dans le plan classique, comme elle peut être dans un plan d'Oblivion, comme, tu vois, des machins comme ça. Moi, je l'ai interprété comme ça. Mais quel intérêt, finalement, c'est pour ça. Mais enfin, bon, comment la tour de cristal... Vas-y. Tu veux le faire? La deuxième. Comment la tour de cristal peut-elle exister sur différents plans en même temps? La tour chevauche toutes les réalités. Sa véritable fonction reste inconnue. Mais je pense qu'il s'agissait d'une sorte de tour de guet. Un portail vers ailleurs. D'accord. Il est donc logique que la tour soit la clé de l'omniprésence. D'accord, donc ça te permet de passer des troupes où tu veux, comme tu veux, comment ça t'arrange. Parce que ça peut être une sorte de phare aussi, un petit peu voilà, partout. Parce que basiquement, il faut savoir qu'un Dédra ne peut pas se téléporter sur Nirn comme ça. Il peut influer un petit peu, mais pas beaucoup, à cause de l'influence des 8. Enfin, des 9. Mais du coup, voilà. Ça se trouve, ça permettrait à Nocturne d'aller où elle veut. Bah là, elle pourrait envahir les plans adverses comme ça l'amuse. Là, tu vois Nocturne qui a fait un revers de la main pour balayer les deux autres en mode bitch là, arrêtez de vous battre dans mon jardin les enfants, cassez-vous. Elle pourrait faire ça à tous les autres. C'est peut-être pour ça aussi. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils arrivent à ouvrir des portails vers les différents plans d'Oblivion à l'intérieur de la tour. C'est peut-être une des choses que permet la tour. Ah. Attends, peut-être pas juste un sort, c'est peut-être juste aussi... C'est ça la tour de cristal? On est dedans là? Bon, c'est ça, non? C'est pas ça? Aucune idée, je pensais pas moi. Bon, ça doit être ça. Bah, ça me paraît bizarre. Parce que la tour de cristal, elle est censée se trouver en... Ah non, c'est pas ça. Elle est censée se trouver sur le petit continent des elfes blancs là, tu vois. C'est pour ça qu'il faut d'ailleurs que ce continent survive. C'est pour ça qu'on le protège. Moi, je pensais que c'était une des représentations aussi. Si c'était l'île d'Arteum, tu vois, si c'était l'île d'Arteum, elle serait en sécurité depuis le temps, tu vois, il n'y aurait pas eu ce problème. Oui, non, mais j'ai bien compris qu'ici c'était Arteum, mais je pensais que c'était une, bah, je sais pas, une des représentations aussi, ou un truc comme ça. Mm. Ok, ok, non, 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 t'as raison, c'est bien sûr... Voilà, c'est bien sur l'île des elfes blancs. On dit que là, on est dans la tour de Sepora, c'est une autre tour. Ouais, très bien. Par contre, l'autre tour, elle pourrait être partout à la fois, et ça, c'est un problème. Ok. Donc, bon, bah... En quoi cela peut-il aider Nocturne? Imaginez un prince Dédra qui peut exercer son influence sur tout le multivers au même moment. Nocturne pourrait devenir infinie. Ah! Si elle y parvient... Son pouvoir se multipliera en conséquence. Elle sera sans limite. D'accord, effectivement. D'accord, d'accord, d'accord. C'est comme si elle avait la télékinésie, mais qu'on lui disait, bah écoute, ta télékinésie, tu peux l'appliquer partout. Donc à ce niveau-là... Son pouvoir se multipliera en conséquence, c'est-à-dire plus il y a de représentation d'elle à d'endroits différents, plus elle est puissante? Bah logiquement oui, parce que, comment dire, balance un sortilège il y a 10 minutes. Ça coûte de la mana, ça coûte de l'énergie, ça te coûte quelque chose. Ça te coûte une temporalité, ça te coûte la cause et la conséquence. Mais fais en sorte que ce sortilège soit lancé il y a 10 minutes... Il y a 10 minutes et 1 milliardième de seconde précédemment, il y a 10 minutes et 2 milliardième de seconde précédemment, il y a 10 minutes et 3 milliardième de seconde précédemment, ou encore à plusieurs endroits en même temps, c'est-à-dire le même sortilège, mais à la coordonnée 0, 0, à la coordonnée 0, 1, à la coordonnée 0, 0, 1, tu vois ce que je veux dire? Bref, à ce niveau-là, un Dédra, vu que ça n'a pas le même concept de pouvoir, de puissance ou d'influence que nous on a, même si son influence est de 0,0001% de la réalité à un temps X et à, un lieu Y, si X et Y sont infinis, alors même le 0,001% devient infini. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui. À ce niveau-là, c'est pété. J'ai une question qui n'a rien à voir. Par exemple, il lui manque un bras là, à Sotha Sil. Est-ce que c'est des expériences qu'il a faites sur lui-même comme ça, ou est-ce qu'il y a eu un événement qui a fait qu'il a perdu... Qu'il a perdu un membre. Moi, il n'a pas été blessé lors de la bataille du Mont Rouge, donc à mon avis, il l'a fait tout seul. D'accord. D'ailleurs, sans spoiler Morrowind en l'occurrence, il poussera le concept plus loin. D'accord. Genre vachement plus loin. Mais c'est pour ça. Ah, on me dit accident de tondeuse à gazon. Ça doit être ça. Ouais. C'est cohérent. Je t'en prie. Nocturne ne travaille plus avec les autres princes Dédra. J'ai du mal à croire que Nocturne, Mephala et Clavicus soient restés alliés aussi longtemps. Les princes Dédra ne sont pas connus pour leur grâce sociale. Avec le cœur, Nocturne a fait un pas de plus vers le contrôle de la tour. Quoique Sanguin et Dibella, même s'ils sont un Edra et un Dédra, je suis sûr qu'ils pourraient avoir une petite semaine genre à Venise, tu vois, ça pourrait se passer très bien. Enfin bon. D'ailleurs, des alliances Dédra et Dra, ça arrive ou pas? Putain, de mémoire, non. Mais il n'y a rien qui pourrait l'empêcher, techniquement. À part le fait qu'un Dédra, bien sûr, peut très difficilement, et je dis bien très, très difficilement, avoir une apparence physique propre comme un Dédra le fait. Parce qu'un Dédra, par définition, s'est fondu dans l'existence de Nirn. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'il en fait un pilier, c'est pour ça que son influence y est beaucoup plus forte. Mais beaucoup plus forte dans les lois qui dirigent la réalité de Nirn, mais pas dans son influence directe. T'auras très rarement un Edra qui te parlera dans ta tête et qui te donnera des épées pétées ou des trucs comme ça, tu vois. C'est suffisamment rare. Mais cependant, s'ils le font, tu peux être sûr que c'est un artefact qui va niquer toute la mer en long, en large et en travers d'un Dédra. Qui lui, par contre, peut te filer toutes les armures du monde et tous les jouets et tous les machins qui les amusent. Mais comparé à un artefact édrique, ça vaut rien. Qui est très rare, en paradoxe. Par exemple, tu prends le cristal, tu sais, des empereurs, l'espèce de gros cristal rouge, losange, le symbole même de Skyrim ou le symbole de tout ce que tu veux, qui est un cristal qui a été donné par Akatosh, donc le dieu du temps, pour protéger justement la barrière de la réalité. C'est-à-dire que tant qu'il y a un septime, c'est-à-dire un héritier d'Akatosh qui est sur le trône, eh ben, il n'y a pas d'invasion. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive en Oblivion, si tu as joué à Oblivion, dans les 20 premières minutes du jeu, l'empereur meurt, et donc il n'y a plus d'héritier. Et donc personne de la lignée des Septimes porte le gros caillou rouge de la protection d'Akatosh. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a des portes de Dédra, des portes d'Oblivion qui s'ouvrent partout. Parce qu'il y a Merunes Dagon qui est là, putain c'est bon, la police d'or, go, go, go. Et qui voilà. Donc c'est le... Donc du coup voilà, si j'ai fait des erreurs, mes excuses, mais global, l'amulette des rois, c'est ça le gros caillou, merci. Mais sinon voilà, c'était mon résumé à moi, la logique comme je le comprends en fait. Pourquoi le cœur est-il un tel enjeu? La loi transparente, le cristal qui se trouve au sommet de la tour de cristal, ancre ce bâtiment métaphysique dans toutes les réalités. Avec le cœur, elle peut réinitialiser le cristal, utiliser ses capacités et prendre le contrôle de la tour. D'accord. Bon. Ça répond déjà un petit peu à tes questions d'avant. Ouais, ouais. Donc en fait, le cristal sert à décider où est-ce que la tour se trouve. Et d'habitude, on s'en sert pour dire elle se trouve à un endroit X dans toutes les réalités. Suite à l'étude de Valsirène, il y a un problème. Sauf que si tu changes ce paramètre et tu dis qu'elle se trouve à un endroit infini dans toutes les réalités, et ben le cristal il s'y plie et là c'est la bite. Yep. Bon. On garde le blabla avec Valsirène pour la prochaine fois? Oui, c'est bien, ça nous rappellera le blabla. On peut pas finir par une petite caisse. Enfin, une caisse, est-ce qu'on a ça? Est-ce qu'on a ça? Moi j'ai pas de caisse, mais j'en achète. J'ai du caillou. J'ai du caillou. Tu prends quoi, des pigiques du coup? Attends une seconde, je vois plus mon curseur pour une raison qui m'est obscure. Okay, une caisse. Écoute, je vais en prendre 4. 1500. Oh. Confirme, ouvrir caisse à couronne du psychique, c'est quand tu veux. Allez, go. Allez, fais-moi rêver. Oh, il y a une dorée. Oh, j'ai pas du gold, mais j'ai du violet. Attention. Ah. Alors, de la merde. Allez, pas le parchemin, s'il te plaît. De la merde. Attention, je. Moi, j'ai un chapeau, je l'avais pas. Tu l'as, je crois. Le garde-faine à bord large plume. Les ceintures stylées. J'ai gagné une ceinture stylée. Je ne sais pas de quel type c'est, mais c'est sympathique. Attention, jaune, violet. Ensemble de distinction exaltée. Oh GG. Je ne sais pas. Ah c'est celui que je disais que je crois que... Attends, si c'est celui que je disais. Oh oui, c'est celui qui fait l'ouverture sur le poil de torse. Ah là là, c'est celui où je te demandais, je me demande ce que ça fait sur toi. Oh. Et ben voilà, tu l'as gagné. Merveilleux. Bon, allez, ma carte dorée, c'est maintenant s'il te plaît, pas un parchemin, on y va. Oh oui, une monture. Oh, un lion senche noir. Oh bien joué. Oh la petite monture. Un cagite noir. C'est ça. Montre le cagite. Hop, mais je vais pas pouvoir. Attends, il va falloir qu'on sorte. Tu veux voir la monture. C'est pas là la sortie, c'est où la sortie? Apparemment, il y avait un dialogue entre Seth et le Chevalier Doré. Sauf que je sais plus où ils sont, moi. Ah mince. Oh, pire, on ira voir la prochaine fois. Attends. Bah non, on va oublier. Attends, connaissons-nous. Tu veux que je rentre du coup? Attends, je vais à l'étude de Sotha Sil. Bon, vas-y, je te laisse. Pas grave, parce que je louperai. Hop, je vais regarder ma petite monture. Alors. Bon, ils n'ont pas discuté, c'est pas grave. Cela m'embête de le dire, mais Valsirène a perdu la tête. Elle. Il est là. Enfin, allez voir vous-même à l'étude. Hop. Ah non. Tour de cristal existe. Ça fait. Mais je veux pas que tu te caches. Voilà. Pas mal. Alors, il est où le lion? Pas mal. Un joli petit. Je suis à la sortie, hein, j'ai dû sortir. Ah merde, t'as dû sortir. La monture. J'arrive. Merde. C'est où la sortie? Un lion tout noir. Mais il a la classe. Oh là 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 là. Tant pis, on a raté la converse, c'est pas très grave. Dommage, ouais. C'est pas très grave, Mais du coup, voilà donc. Bon. Je vais aller à la lumière. Je suis à la lumière. Le cagite ne vous sert pas de monture. Il allège le poids de vos jambes et de votre bourse. Adorable. Oh là 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 là, fais voir un peu, mets-toi la lumière. Oh. Pas mal, hein. Pas merveilleux, mal. Une espèce de panthère lion. J'avoue. Dans le noir, tu le vois pas. Hein. Ah ouais, un très très beau cagite. Hein. Non, il est sympa. Et ça, c'est obligé, c'est un cagite. Ouais. Obligé. Si c'est sench, de toute façon, c'est un cagite. Pas de mystère. Et on pourrait y avoir des cagites comme ça qui peuvent parler? Quoi qu'il advienne, ils comprendront la langue des cagites. Oui. Mais parler, je ne sais pas. En vérité, non, c'est classe, ça fait plaisir de gagner une monture. C'est ça. En vérité, ils n'ont jamais, comment s'appelle, développé le lore à ce niveau-là, quoi. Je dois dire que cette armure rouge te sied, mais à merveille. Ouais, il faut absolument que j'aille changer la couleur du bouclier. C'est un. J'ose l'avouer. Alors attends, je vais me mettre sur le soleil moi pour terminer un plan à peu près formidable au milieu des biches et des pétales de rose. Voilà, je vais faire une belle photo. Voilà, attendez, hop. qu'on soit bien... Ah, c'est vrai que je t'ai pas... Ah oui, on m'a dit d'utiliser... Attends, c'est ouf. Faut juste que je te montre un truc avant. J'arrive. T'es là? Attention, regarde. Oh là là. Oui, vas-y, je t'en prie. Tu regardes? Ouais. Oh, c'est classe. Ça, c'est classe, ça, c'est classe. Voilà, viens te mettre à côté. Ça fait une belle photo, on peut terminer là-dessus. Ah, sans l'aventure. Voilà. T'as plus qu'à prendre une position et puis on est bien. Mais moi, je les connais pas, les... slash tilt. Slash tilt. C'est ILT? Oui, comme tilt. Ça ne marche pas. C'est pas slash tilt? Non, non, c'est juste que mon clavier... Ah, d'accord. Il m'a kické du jeu, pourquoi? Ah bah, impeccable. Formidable. Non, non, mais pas complètement kické, il m'a... Ça y est, c'est bon. Voilà. Slash tilt. Pourquoi je peux pas écrire? Il y a une magie... Il m'empêche d'écrire dans le... Ah, c'est normal, c'est la magie de la malchance. C'est racial. Quand t'es un Krayn, t'as un malus de moins 50 à la luck. Pourquoi je peux pas faire dire? Dans dire, je fais slash tilt, mais non, il veut pas que j'écrive. Bon. Bon, bah je ne sais pas. Interdit. Interdit. Mais là, en tout cas, on pue le style. Bah écoute, tu peux même pas faire du... Non mais ça bug. Attends, attends. Je vais trouver une solution. Là, si je fais ça... Non, ça n'écrit pas. Bah non, bah, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Par exemple, tu vois là, j'ouvre la boîte pour me parler. Mm-hmm. Et si je fais échappe, ça m'ouvre le truc Windows, mais le menu. Comme ça, si j'étais plus sur le jeu. Là, je retourne sur le jeu. Ce sont somme toute des choses qui arrivent. Ce n'est pas très grave. On le vit bien. Oh, tout gagné, moi. Ouais, non, c'est pas le mauvais clavier, hein, vu que je peux me déplacer. Non, non, bah je ne sais pas. C'est bizarre, ça fait pas de sens, finalement, somme toute, c'est sans importance, voilà, c'est ça qui est bon. Voilà. Sur ce, on vous remercie d'avoir regardé cet épisode, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, appuyer sur la cloche et laisser des likes, que ce soit à moi, et d'aller aussi sur la vidéo Krayn, histoire de faire la même chose, pour la valider de la chose, hein. Bon, non, mais ça marche dans les deux sens. Allez, ça vous prend 30 secondes, faites ça juste avant de vous masturber ce soir, je le sais. Je vous vois. Bref, on vous fait des gros bisous et on vous remercie. Et des on vous gros dit bisous. À la prochaine. Merci pour la soirée, Bob. Ciao, ciao. Un plaisir. Bye bye. Allez, tout le monde. Bye bye. Le régal, le plaisir. Oh là là.